Hey Matelot ici, Defroy, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Minecraft. Et oui, vous me l'avez demandé depuis longtemps, je vous l'ai promis depuis très longtemps. Et aujourd'hui on va le faire, le tutoriel pour le grand hôtel sur la mer que vous avez derrière moi à ce niveau là. On l'avait fait en live cet hôtel, donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch hein, parce qu'on réalise toutes ces constructions là en live et après je les fais sur YouTube, donc du coup en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Twitch si jamais ça vous a, si jamais ça vous intéresse. On va faire cet hôtel là du coup en tutoriel. Je vous fais un petit tour, hop, rapido, en augmentant un petit peu la vitesse parce que sinon ça va durer 3 plombes. Comme vous pouvez le voir, du coup il s'agit d'un gros bâtiment. On va y aller par étapes et ça va être, on va devoir être assez méthodique dans la réalisation de ce bâtiment. Comme vous pouvez le voir, il y a des plages artificielles à l'arrière qui ont un petit peu une forme de vaguelette comme ça, et qui, lorsqu'on regarde le bâtiment vu du dessus, donne un peu un effet de coquillage. Là on le voit mal, mais vous le verrez mieux avec les plans. Hop, donc voilà, je finis le petit tour du bâtiment et après on va commencer le tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la place et vous avez de quoi faire. Alors, paf, pouf, juste petite indication avant de commencer. Pour pouvoir réaliser l'hôtel ici, on va le faire, on va donc faire cette partie-là, l'entrée de l'hôtel, hein, vraiment la partie de devant, à un bloc au-dessus du niveau de la mer. Hop, vous voyez, on est bel et bien au-dessus du niveau de la mer. Ok, et la partie qui sera au niveau des plages artificielles à l'arrière du bâtiment, ici vous voyez, sera pile au niveau de la mer. D'accord, c'est un petit détail qui aura son importance, donc je le note ici, il y a une différence de hauteur entre les plages, ok, et le centre du bâtiment. Voilà, maintenant que je vous ai montré ça, on va aller faire le tuto. On va commencer en premier lieu par donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cet hôtel. Ne paniquez pas, je vous le dis direct, vous allez avoir besoin d'énormément de blocs, comme vous pouvez l'imaginer. Mais le bois particulièrement. On va voir ça tout de suite. Ok, donc, une fois que vous avez trouvé votre emplacement où vous voulez mettre votre hôtel, hein, du coup sur la mer, évidemment il faudra faire les bases de l'hôtel, et c'est ça qu'on va faire en premier lieu. Moi ce que je vous invite à faire, c'est un peu comme ce que j'ai fait ici, hein, j'ai recopié l'hôtel à ce niveau-là, c'est que vous voyez, les fondations, elles vont vraiment tout jusqu'au fond. Là j'ai enlevé la mer pour que ce soit plus facile, hein, évidemment, à construire. Mais voilà, il faut vraiment que ça touche le fond, évidemment. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que l'on va se munir de diorite, comme ça, d'accord, et de béton blanc, ok. C'est vraiment les deux blocs avec lesquels on va commencer. Et après, on va vraiment faire le socle en premier. Pour faire le socle, du coup, je vais vous donner toutes les dimensions pour le réaliser, en espérant que cette fois-ci, je ne vais pas faire de problème. À chaque fois, en fait, pour vous dire, il y a une petite coquille quelque part dans mes plans, et pourtant, j'essaye de redoubler d'efforts à chaque fois pour éviter qu'il y en ait. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tous les plans de ce, hop, de ce bâtiment là, donc il va falloir zoomer, hein. Je vous invite à mettre la vidéo en 1080p et à zoomer dessus si jamais vous pouvez. Alors sur téléphone c'est peut-être un peu plus compliqué, pour avoir tous les plans, ok. Ok, donc là vous avez le plan en face de vous, il faut que vous ayez ça sous les yeux,
D'accord ? Il faut que vous ayez fait ça. Une fois que vous avez ça, en fait, on va faire maintenant en plus les plages artificielles. Et c'est pour ça que, hop, que je vous ai montré tout à l'heure que les plages artificielles étaient un bloc plus bas que le reste de l'hôtel, ok ? Donc je vais vous donner les dimensions. Voilà, donc, vraiment faites bien attention que les plages ici hein, soient bien un bloc plus bas que le reste. Ok, donc, une fois que vous avez ça, ce que l'on va faire en plus, c'est vraiment les chemins au milieu ici, ok. J'ai vraiment séparé en trois étapes pour avoir des plans compréhensibles, hein, vraiment pour éviter d'avoir tout un tas de chiffres dans tous les sens, vous comprendrez bien. Hop, donc voilà, je vous donne maintenant les dimensions pour faire le chemin central. Ok, donc une fois que vous avez ça, alors je sais que c'est un gros boulot dès le début de la vidéo, hein, mais c'est vraiment le socle, c'est vraiment ça qui va vraiment conditionner tout le reste. Si vous avez bien réussi à reproduire cette partie-là du bâtiment, vraiment le reste va aller, pas tout seul, mais ça sera quand même beaucoup plus facile. Vous avez fait le plus dur, croyez-moi. Enfin, presque. Du coup, on va vraiment faire ça en premier lieu, on va faire tout l'aménagement. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous munir du bloc de bois ou des dalles de bois, évidemment, pour gaspiller moins de ressources. On va prendre aussi la sandstone. Hop. Alors moi, mon pack de textures, les blocs ont cette tronche-là, mais évidemment, vous pouvez avoir la même chose en pack par défaut. Hein, ça ne dénature pas le pack par défaut. Si vous voulez quand même télécharger mon pack de textures, il est en description de la vidéo. Voilà, si jamais vous voulez. Donc avec le bois, les blocs de bois, en fait ce que l'on va faire, c'est que l'on va vraiment le mettre dans la partie ici, là vous voyez, donc tout l'espèce de grand serpentin ici qui fait vraiment le corps du bâtiment, on va mettre le plancher tout en bois. Bon, ça va prendre un certain temps, je vous cache pas. Hop, allez, on fait ça. Ok. Alors, une fois que vous avez ça, évidemment, vous l'aurez compris, on va faire la même chose en diorite à ce niveau-là. Hein. Je l'ai même pré-rempli parce que, bah voilà, moi c'est clair. Ok, une fois qu'on a ça, on va utiliser la sandstone pour remplir les surfaces au niveau des plages artificielles à l'arrière. Hein. Ok. Youp, on fait ça rapidement. Et donc, bel et bien, un bloc en dessous du niveau du reste hein, de l'hôtel. Hop. Ok, voilà ce que ça nous donne, donc avec les différentes plages de réaliser. Autre chose aussi, ce dont je n'ai pas parlé, mais qui paraît tellement évident en fait, c'est que l'on va mettre de l'herbe au niveau du sol, hein, on va mettre de l'herbe au niveau de la, hop, du quai ici, vous voyez, du quai en diorite, partout sur la surface, entre la partie en bois ici et ici. Ok, donc voilà, c'est vrai que j'avais pas précisé. Alors, la partie en plein milieu ici aussi, bah bien évidemment, on va mettre de la diorite. Donc on va prolonger le quai ici comme ça, d'accord. Et on va aussi utiliser dans le petit creux qui est à ce niveau-là, ok, on va utiliser du lapis lazuli parce que ça va être l'entrée de l'hôtel. Là où il va y avoir une espèce de grande... Bon, j'ai plus de modèle sous les yeux. Mais il va y avoir une grande tour en verre qui va être à ce niveau-là. Et donc, au niveau du bas, on va mettre du lapis lazuli sur tout le plancher. Voilà. Et bon, bah, de la diorite partout ici aussi, forcément. Hop, allez, on fait ça. Une fois que l'on a mis le sol du coup comme ça en diorite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en plein milieu ici de notre petite place une fontaine. Ok, je vais vous montrer à quoi il ressemble là-bas hein, du coup. Une vraie petite merveille de fontaine, hein, tellement design, tellement moderne, tellement luxe. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est forcément génial. Tu me diras. Alors je vous invite à vous munir pour pouvoir la faire de dalles et de blocs de quartz lisse, d'accord ? Pour pouvoir la faire aussi, vous aurez besoin d'escaliers en andésite, en diorite, pardon, poli, de blocs d'andésite poli, de blocs de verre et de blocs de lapis lazuli que vous avez en dessous, ainsi que de quelques blocs d'or que vous voyez à ce niveau-là, pour la réaliser. Ok.
Ok, on va utiliser nos dalles en quartz du coup et on va venir commencer notre fontaine en prenant comme repère ce bloc là, ok, de notre coin ici. On va faire un bloc sur le côté, puis 1, 2, 3, 4 blocs et on va mettre notre première dalle. On va mettre une première ligne comme ça de 4 blocs de dalles comme ça, ok. Puis sur le côté on va en mettre 2, puis une sur le côté, puis une en diagonale comme ça. Après on se met comme ça et on en met 2 ici comme ça, puis 3 ici comme ça, puis 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, 3, 2, 1, 1, hop, on se met comme ça et on en met 2, puis 1, 2, 3, 4, ok, 1, 2, 1, et ici 1, 2, 3, 4, ok. Puis après comme ça, une, puis après comme ça, 1, 2, 3, 4, ok, puis après une, puis après comme ça, 1, 2, 3, 4, puis après comme ça, pouf, et puis après tac tac. Vous voyez? Donc on a cette forme là pour l'instant. On va continuer et on va mettre dans le sol, à partir d'ici, des blocs dans le sol, on va en mettre un comme ça, un autre en diagonale du coup, ok, puis après deux blocs, puis après comme ça, 1, 2, 3, puis après une, deux, 1, 2 encore, hop, 1, 2, mais dans ce sens-là, ok, puis après 1, 2, 3, 3, oui, juste 3, et normalement, entre ce bloc-là et ce bloc-là, si vous avez bien tout fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs, je me suis pas gouré, c'était bel et bien 7 blocs qu'il fallait avoir. Une fois qu'on a ça, du coup, on va venir mettre nos escaliers en quartz ici, alors pas du tout, les escaliers en diorite, voilà, on va venir faire des trous ici comme ça, paf 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 dans les coins, hop hop, et on va venir pof 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 pouf pof pouf pouf pof pouf pouf pof pof poum pif paf bim plouf paf pif pouf, voilà, très bien. D'ailleurs, on peut même faire un truc un peu comme ça, est-ce que si on met un escalier comme ça on peut pas faire un truc stylé, ouais voilà, est-ce que si je fais ça. Non, bon, tant pis. J'ai essayé de faire un truc stylé, ça n'a pas marché. Paf, 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 ok. On rajoute des blocs de smooth quartz ici, comme ça. Ok, maintenant, on va faire la partie qui va faire comme ça, d'accord. Ok, donc, on va venir avec ce bloc-là, mettre deux blocs ici, comme ça, ok. Un ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et un bloc en diagonale. Ça nous fait un truc comme ça, d'accord. On les remplit, oups, de dalles, ou de blocs, hein, évidemment, parce que là je mets deux dalles, mais vous pouvez utiliser des blocs, de smooth quartz, de quartz lisse, du coup. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va creuser cette zone-là de deux blocs de profondeur pour pouvoir mettre du lapis lazuli, de l'eau, et de la glace, du verre. Donc du coup, on va faire trois blocs de profondeur, en fait. Hop, ok, donc cette zone-là, hein. Hop, 2. Alors là, je suis avec au niveau de la bedrock, mais bref, il faut vraiment creuser 3 blocs de profondeur pour avoir au final, vous allez comprendre, youp, 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 je vous montre, lapis, lazuli au fond. Alors j'ai mis 3, là. Hop, voilà. Au fond du lapis lazuli, au-dessus, on va avoir de l'eau. Hop, youp, comme ça, hein, mettons. Et au-dessus, on aura, hop, du verre comme ça, et ce sur toute la surface ici de notre petite partie, d'accord. Au niveau du trou qu'on avait fait ici, du coup, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra pas oublier d'enlever les blocs qu'il y a en dessous, les parties ici comme ça, pour mettre du quartz en dessous, parce que sinon ça va faire pas terrible, hein, forcément. Donc voilà, on met tous les murs en blocs de béton, pas du tout, en blocs de quartz lisse du coup. Vous voyez, ça fait quand même plus classe, on va pas se mentir. Donc, on va mettre au niveau du fond ici, comme ça, paf, paf, du lapis lazuli. Hop, à fond la caisse, hop. Je sais même pas pourquoi j'ai un trou, en fait, en dessous mon truc ici, mais bon, c'est pas grave. On met du lapis lazuli sur tout le fond, ok. Voilà. Du coup, vous aurez compris, de la flotte, youp. Hop, au-dessus, on met de la vitre, des blocs de vitre.
Hop. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir faire l'espèce de grand mur en diagonale que vous avez sur le côté ici. D'accord ? Donc on va venir mettre des dalles à partir d'ici. Donc on va laisser les trois premières dalles ici comme ça sans rien. Et en fait, on va faire des marches après de 3 blocs de longueur à chaque fois. Et on va monter petit à petit tout jusqu'au bout là-bas. Donc vous voyez, on va faire 8 marches comme ça, 2-3 blocs de marche de large. Puis on va faire 5 blocs, enfin 5 marches de 2 blocs de large, et puis après on finira. Donc, on met tout ça en place, hein. Youp, hop, et on va monter, jusque ici, il me semble, ici. Ok. Donc, hop, on va rajouter quelques-unes, hein, je vais vous montrer bien. Hop, 1, 2, 3 blocs, ok, on rajoute des marches, ok, 1, 2, 3 blocs, on rajoute des marches, effectivement, etc. 1, 2, 3, paf, 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 et on monte comme ça. Ok, donc, vous voyez, hein, on va bien monter avec des paliers de 3 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 marches de 3 blocs. Là, on a des marches de 2 sur 1, 2, 3, 4, 5 marches, et puis après juste un petit en plus pour le sommet ici. Voilà, voilà. Donc, on n'a pas tout à fait fini, on va juste remplacer la surface qu'il y a ici par des blocs de diorite, du coup, poli, d'accord? Hop, comme ça. Youp. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on va reprendre le lapis lazuli, on va venir remplacer ici le sol par du lapis. Et on va venir doubler l'épaisseur ici des dalles qu'on avait mis tout à l'heure, hein, pour avoir vraiment un bloc. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les blocs d'or, ok. Hop, hop, et on va en mettre ici, là, tu vois. Donc sur 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Et on va rajouter de l'eau, bien sûr, pouf. Et ici, surtout, l'espèce de petit bassin. Hop. Et puis, voilà, magnifique ma fontaine, n'est-ce pas? Incroyable, superbe, incroyable. Et donc, maintenant, on va faire, hop, ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire l'espèce de chemin en bois qui va venir d'ici, là, vous voyez, qui va faire tout le long ici et qui va se recourber comme ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, encore une fois, je vous ai préparé un petit plan pour le réaliser, parce que, ben, clairement, je ne vais pas vous dire tout ça à la main. Enfin, un par un, ça risque d'être un petit peu violent. Ok, donc je vous dis tout ça sur le plan. Et une fois que vous avez ça, d'accord, eh bien, on va faire le reste du chemin en épaississant ce trait-là qu'on vient de faire. L'idée, c'est que on va reprendre du bois et on va, hop, faire 4 blocs de large, en fait, pour le chemin, sur tout le long, en fait, de sa longueur, d'accord. Donc voilà, je vous le fais ici, paf 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 paf, bien sûr quand c'est en diagonale, bon, on fait aussi en diagonale, hein, de l'autre côté, sur 4 blocs de large, et on enlève tout ça, hop, on met que du bois, etc, etc, voilà. Et donc la même chose ici, hein, vous voyez, hein, 1 bloc de large, 2, 3, 4, hop, comme ça, etc, etc, youp, donc ici ça nous fait un truc comme ça, hop, 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 ouais, voilà, vous essayez de garder la même largeur à peu près partout, voilà, hop, ok, et puis on remplit, hein, hop, hop, vous voyez, est-ce que ça donne au final. Et donc c'est la même chose que l'on va faire ici, hein. Vous mettez 4 blocs de large sur toute la longueur ici, sachant bien sûr que là je vous ai donné dans le plan la partie la plus externe, on va dire, de la route, hein. On fait vraiment 4 blocs que sur un côté. Vous voyez ici comme ça, on a 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop, comme ça, hein, bien sûr, hop, etc, etc.
Et puis voilà, donc maintenant qu'on a nos routes de réaliser, eh bien on va pouvoir mettre nos petits bronzates en place. Et oui, comme on est sur un hôtel de luxe, on va utiliser des transats de luxe. Et moi, les transats de luxe, j'appelle ça des bronzates. C'est fait pour bronzer, j'appelle ça des bronzates. Ah, bref. Autre chose de luxe aussi, des canapés d'extérieur de luxe avec un parasol complètement design en trappe de bois. Ok, donc ce que je vous invite à prendre, ce sont des cobblestone walls, donc en anglais, en français je ne sais pas, des trappes en bois, des stones lisses, de la neige, de la laine bleue tout simplement, ok, et on va aussi utiliser pour les bronzates de la slab, donc de la dalle de bois de sapin, ainsi que les petits pots de fleurs. Ok, et on va venir faire ça là-bas. On va entrecroiser après tout ça avec des arbres, avec tout ça, et donc ça va être bien. Et donc on va faire genre ici par exemple, je vais vous montrer comment en faire un, et après les autres ça sera tous pareil. Donc on va se munir de notre dalle en pierre lisse, et on va venir faire un trou dans notre sol de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 blocs de longueur, incroyable, et de 2, 3, 4 blocs de large, ok, et on fait un grand carré comme ça. Oh, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Oui, bah, les rectangles c'est des carrés, tout va bien. Donc on fait ça, on utilise les dalles de stone lisse parce que c'est moins coûteux que les gros cailloux de stone lisse. Hop, si vous êtes en survival, c'est quand même agréable d'avoir un minimum d'optimiser ses ressources, surtout avec le bois ou ce genre de truc. On va utiliser la laine bleue et on va venir ici, paf, paf, comme ça, et en mettre 1, 2, 3, 4, ici, comme ça. Oui. On va utiliser la neige et on va faire un truc ultra stylé de ouf. 1, 2, 3, 4, 5, ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2... Et on va remonter avec 1, 2, 3, 4. Ici comme ça, 1, 2, 3, 4. Ici aussi. Maintenant que j'y pense, c'est pas très très joli. On va faire plutôt 4 ici comme ça et 3 et 3. C'est joli aussi. Et on va utiliser les cobblestone walls. Du coup, on va les mettre pouf ici, pouf ici, pouf ici. Et on va utiliser les trappes en bois de chêne au-dessus. Hop, pouf ici, pouf ici sur 3 blocs de large. Je crois, sur 3 blocs de large. Oui, c'est ça, sur 3 blocs de large, évidemment, et sur toute la longueur de notre canapé. Hop, donc, paf, 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 genre jusque là, ok. Et hop, 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 comme ça, vous voyez. Et tadin, on a un superbe canapé d'extérieur, complètement swag, magnifique, et tout ça, et tout ça. Ok, superbe. Donc, nos carrés ici, vous voyez, de 9 par 4 blocs de stone, on va en mettre plusieurs. Par exemple, ici, par exemple, sur le côté, on va en mettre ici aussi. Donc là, on est à 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Hop, hop, comme ça. Donc, on en mettra un emplacement ici, on en mettra un autre là-bas. Ok. Et le truc à savoir, c'est qu'il va falloir laisser assez d'espace entre chaque emplacement de canapé pour pouvoir mettre un arbre, un petit arbre que l'on va faire comme ça. Alors attends, du coup, comment c'est bonne, voilà, la poudre d'os. On va faire des petits arbres, hop, ici donc décalé de, on va dire, 5 blocs de chaque canapé, d'accord. Hop, voilà. Par exemple, et on va aussi utiliser des petits arbres beaucoup plus petits, donc des arbustes en fait, pas vraiment des arbres. Genre par exemple ici, on va juste mettre deux blocs de feuilles l'un sur l'autre pour espacer les différents canapés. Hop, pour vous situer. Hop, ici j'ai utilisé des arbres pour les mettre un peu derrière. Ok. Pourquoi pas. Et ici, j'ai utilisé les arbres pour les mettre véritablement entre les transats, entre les canapés. Et donc, bah voilà, comme ça, vous avez plusieurs,
plusieurs possibilités. Et l'idée, c'est que vous pouvez alterner les feuilles comme ça ou les vrais arbres de Minecraft. D'accord? Voilà. Bon, évidemment, sur toute la longueur de ce petit chemin en bois qu'on vient de mettre. D'accord? Alors, entre le chemin du coup et notre quai en diorite, on va mettre mes fameux bronzates favoris, comme vous pouvez le voir ici. Ok. Alors, on va revenir ici et on va en mettre donc dans cette zone là, dans cette zone ici et tout dans cette zone là, d'accord? Hop, en mettant 3 blocs de dalles, hop, comme ça, des dalles de snow, donc non, juste de la neige, sur 3 blocs de couches de neige, enfin sur 3 couches de neige tout simplement. Hop. Et voilà, donc on peut soit faire ça comme ça, soit faire ça comme ça. Vous voyez, c'est encore plus swag. On met le petit pot de fleurs à côté pour faire le petit cocktail, évidemment. On sépare voilà, de 2 blocs chaque bronzate, comme ça. Hop. Et puis on est bon, et puis après ces bronzates là, on va pouvoir les mettre sur toute la surface ici, à chaque fois par là, et les canapés pareil, on les mettra à l'arrière, puis à l'arrière ici là-bas, d'accord? Je fais ça rapidement, donc voilà hein, ce que ça donne. Hop, je les ai bien disposés un peu en courbe comme ça, tous les bronzates, pour pouvoir donner un aspect visuel intéressant, qui soit un peu dans la courbure de la, du chemin lui-même, etc., etc. Donc, je n'ai pas placé les arbres, hein, donc on va vraiment venir placer les arbres, youp, ici, entre les deux canapés. Si les deux canapés que vous avez mis sont un petit peu trop rapprochés les uns des autres, vous pouvez les mettre un petit peu en arrière, genre ici, comme ça. Voilà, les arbres, pouf, hop, bon, ici, on va pas en mettre parce qu'il n'y a pas assez de place, mais genre comme ça, hop, comme ça, etc., etc. Hop, quand il n'y a pas trop de place, on met juste deux feuilles l'une par-dessus l'autre, deux blocs de feuilles par-dessus l'autre, ok? Oula, qu'est-ce que j'ai fait ici? Hop, paf, non, c'est... Voilà. Donc, on va reprendre les arbres et on va en fait en mettre une ligne entre les rangées comme ça de bronzates. Donc, j'ai mis 4 rangées de bronzates, on va mettre une ligne d'arbres ici comme ça, ok? Relativement espacés les uns des autres. Quand même, hein, au moins une dizaine, quinzaine de blocs entre chaque pouce d'arbre. Faut surtout pas surcharger l'espace, ça serait un petit peu lourd. Ici, là, par exemple, on peut mettre 2 ou 3 arbres encore. Pouf, 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 par exemple. Voilà, pas beaucoup, hein, y a pas besoin d'énormément. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir rajouter les feuilles. Entre les arbres, ici, on peut rajouter à peu près autant que d'arbres. Hop, parce que voilà, ça permet d'habiller un espace qui serait peut-être un peu vide. Ici, par exemple, entre les bronzates, il y en a un qui est complètement dimorphe là. Hop, hop, ici comme ça, youp, youp, entre les arbres, pourquoi pas. Oui, tiens d'ailleurs, entre les arbres, hop. Et puis voilà, là-bas aussi, tiens, sur la pointe, ça pourrait être sympa. Pouf, pouf, hop, voilà, ici, là, vous voyez, pouf, pouf. Vraiment, faut pas s'interdire de les utiliser, hein, vraiment, parce que ça habille bien l'espace, c'est sympa. Alors, autre chose, du coup, qui habille bien l'espace, parce que il en reste quand même. Vous voyez, ici, là, il y a des zones vertes où il n'y a rien. Pareil par derrière là-bas, bon, on peut rajouter des choses encore, ok? Pour pouvoir rajouter des choses encore, on va utiliser des plaques de pression en bois, en pierre, et on va venir faire des espèces de jardins botaniques, pas du tout, jardin ornemental, entouré de plaques de pression en pierre. Donc, je vous invite à venir faire des espèces de petits cadres comme ça en pierre sur le long hop, des zones où il y a encore de l'herbe, hein. C'est vraiment une astuce qui va nous permettre d'utiliser enfin de camoufler un vide en fait, vous voyez, hop hop. Donc voilà, on fait des petites zones entourées de plaques de pression, toujours espacées de 2-3 blocs du mur, vous voyez, de l'hôtel,
pour donner encore une fois aérer tout ça. 2-3 blocs de des arbres et des feuilles qu'on vient de mettre, histoire de vraiment que ce soit pas surchargé. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser des peonies, par exemple, en français, je sais pas comment ça s'appelle, et on va venir mettre des grandes fleurs comme ça, des espèces de bouquets de grandes fleurs, ici dans ce sens-là. On peut utiliser aussi des roses, par exemple, des rosiers. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ça comme ça? Vous voyez? Hop, et autour de cela, on peut rajouter des tulipes oranges, ok, par exemple. Hein. Vous pouvez vraiment faire des compositions florales, oserais-je dire, à votre goût, bien sûr. Avec, par exemple, hop, des petites orchides aussi, comme ça, que vous pouvez habiller comme ça. On peut utiliser aussi les petites fleurs blanches, là, les azures, enfin, les bleuets. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en français, d'ailleurs. Hop. Voilà, on mélange un peu tout ça. On peut utiliser, voilà, les cornflowers. Hop. Hop, 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 hop. L'idée, c'est de mettre ce genre de choses, là, voyez-vous, ici, là, déjà, par derrière à ce niveau-là. Ok, par là où il y a encore un petit peu d'espace, genre ici, peut-être derrière, et sur le coin. Voilà, donc je fais ça rapidement, et en même temps, je ferai pousser les arbres, si jamais ils n'ont pas encore poussé, pour vous montrer ce que ça donne au final. Et voilà ce que ça peut donner, par exemple. Ok, avec des fleurs par là-bas, des fleurs ici. J'ai pas pu en mettre beaucoup, finalement, il n'y avait pas tellement d'espace, pour le coup. Juste une petite remarque. Des fois, lorsque les arbres poussent, vous avez des arbres qui sont très grands et qui dépassent, vous voyez, sur, qui empiètent sur les limites de l'hôtel lui-même. Là, vous voyez, il va passer le mur, et donc, bah, il va y avoir un arbre qui va être collé contre le mur. On peut avoir plusieurs possibilités, soit on coupe l'arbre complètement et on le refait pousser de sorte qu'il soit petit, soit on coupe complètement, tout simplement, la partie qui nous embête. Hop, ici, là, par exemple. Hop. Ok. Vous voyez, donc voilà, on peut faire ça comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une partie ici qui empiète un petit peu? Ouais, si, on va enlever ça ici aussi. Vous voyez, enfin voilà, vous faites ce genre de choses. Une fois que on a fait ça, mais en fait, on a fini le sol, vraiment la terrasse qu'il y a devant le l'hôtel. Hein, vous voyez, c'est quand même assez plein, c'est assez joli, évidemment. Et du coup, ce que je vous invite, c'est que l'on va commencer à faire le bâtiment lui-même. Et pour commencer le bâtiment, on va d'abord doubler, hop, là, enfin, on va mettre du mur, en fait, tout simplement. On va rajouter une couche de béton ici sur la longueur, hop, en laissant des ouvertures après pour les passages. Hop, 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 hop. Donc, vous voyez, on met une surcouche partout ici, là, youp, sauf jusqu'ici, là, vous voyez, parce que on a une entrée à ce niveau-là. Donc on continue de l'autre côté, ok, youp, 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 et on fait ça tout du long ici, sauf ici là bien sûr parce qu'il va y avoir une entrée, donc à partir de là, on s'arrêtera là, d'accord, tout ça jusque là, on n'en mettra pas ici non plus, d'accord, ici ce sera des vitres bleues claires, ici on n'en met pas, hein, du coup, on reprend, hop, ici là, d'accord, on reprend là et après tuk 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 sur toute la longueur jusque là-bas, vous voyez, au niveau du quai là, juste à la jointure où il y aura le quai, on va laisser une ouverture, donc on va laisser une ouverture ici, vous voyez, jusque là je crois, faudrait que je revérifie ça d'ailleurs, mais bon voilà, on va faire ça comme ça, on va laisser aussi des ouvertures au niveau des plages à l'arrière, c'est-à-dire que ici là par exemple, eh bien, on n'en mettra pas, on va en mettre tout ici, là, tout jusque là-bas, jusqu'ici, et on va laisser une ouverture de, allez, 4 blocs comme ça, et on va pouvoir reprendre là, ok, tuk 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 tuk, jusqu'ici, où on va faire pareil, hein, 4 blocs à chaque fois, 1, 2, 3, 4 blocs d'ouverture, et après on reprend tout jusque là, hop, puis après 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon allez, on fait 6 blocs ici, parce que comme ça, ça fait une petite barre, deux murs, ça fait plus propre. Bon, ok.
On continue tout jusque là et pareil, on fait etc. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou allez, on laisse ouvert jusque là. Hop. Hop, 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 hop. Et je crois qu'il en reste une encore. Donc à peu près au milieu à chaque fois, bien sûr. Hop, jusqu'ici par exemple. Et après, on laisse 1, 2, 3, 4. Hop. Etc, etc. Vous voyez, et on fait ça tout du long. Allez, hop. Ok, donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va faire le premier étage qui va être à 6 blocs de hauteur sous plafond. Donc, on va prendre notre bloc de bois de sapin, comme ça, d'accord. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok, comme ça. Parce que le premier étage, en fait, enfin le rez-de-chaussée plus exactement, va être beaucoup plus grand que les autres étages qui vont venir après, d'accord. Donc on va vraiment avoir un étage comme ça. L'idée maintenant, c'est que à partir du au-dessus, hein, tout simplement, de cet étage, on va faire, au-dessus de ça, exactement, hop, la même chose qu'en dessous, c'est-à-dire qu'on va vraiment reprendre exactement tout le pattern ici, là vous voyez, bah, comme on avait vu sur le modèle, hein, tout simplement, on va reprendre tout le modèle à chaque fois, sauf que on va rogner une petite partie de chaque bout à chaque fois. Hop, je vais vous montrer pour que ça soit plus clair. Hop, youp, voilà. Donc, comme vous vous rappelez, vous voyez, on a on rogne un petit peu des terrasses à chaque étage pour arriver au sommet avec un étage beaucoup plus petit que celui qu'on avait à la base. L'un des côtés se rogne, on va dire, beaucoup plus vite que l'autre ici. Et donc, on va avoir des décalages à chaque fois. Hop. Au niveau du premier étage, comme vous le voyez, on a bel et bien une hauteur de plafond assez haute. On va reprendre exactement la même chose au niveau du premier étage, d'accord, surtout là-bas. Et à chaque fois, pour faire chaque étage ici, on va avoir des décalages. Donc je vais vous donner les décalages tout de suite. Par exemple, ici, là, hop, pour avoir ce premier point-là, il faudra compter 3, 4, 5, 6, 7 blocs. On se met au-dessus, bah là c'est 8, mais bon, normalement c'est 7. 7 blocs à chaque fois. On se met au-dessus ici, on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, hop, on recompte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est pas, j'ai pas respecté exactement ma propre règle, mais normalement tous les 7 blocs on va enlever ça, d'accord. Youp, il y aura juste une petite chose en plus ici, c'est que vous voyez à l'intérieur de notre accueil, en fait, de l'hôtel, vous avez une partie qui est arrondie en plus, qui reprend en fait la forme du bureau de l'accueil et qui après se prolonge sur tout l'ensemble de la hauteur sous l'espèce de truc en verre ici. Donc, hop, on va faire ça. Youp, ok. Donc voilà, hop, on se remet normal. Et donc voilà, on reprend exactement la même chose qu'en dessous. Hop, là on est sur du 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, donc faut vraiment reprendre exactement tout pareil, hein, comme je disais. Voilà. Et il y aura juste une différence au niveau de notre accueil ici, d'accord. Donc je vais faire avec vous ça. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs au-dessus. Ok, on est ici, donc normalement, on va devoir reprendre la même chose. Alors, hop. Ouais, alors juste ce bloc-là. Et puis après, normalement, on refait tout pareil. Je suis bien au-dessus. Ouais. 2, 3, 4. Ok. Donc voilà ce qu'on aura si on faisait exactement la même chose qu'en dessous, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir partir de la gauche ici, on va, hop, venir ici, on va compter 1, 2, 3, attends, je vais enlever les blocs des coins, ok, comme ça, ça soit plus facile à compter. Donc voilà, les blocs pris comme ça, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, à partir du 8e bloc, on va mettre un petit bloc comme ça, pour avoir un repère, et à partir de là, on va compter 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Voilà, j'ai failli compter plus loin. 4, 5, 6. Hop. Donc, tout de la partie ici, là, entre les deux, on va pouvoir l'enlever. Et on va faire un espèce d'arrondi comme ça. D'accord. Donc, on va venir ici. On va faire... Hop. Ok, j'ai galéré un peu. Maintenant, je vais vous donner les dimensions exactes pour faire notre arrondi ici. Ok. Youp. À partir du bloc où on était parti, on va mettre un à l'arrière comme ça. On va en mettre deux ici comme ça. 4 ici, puis 2, 3 blocs sur la diagonale, 2 ici, 4, 2, 3 en diagonale, 3 blocs de 1 bloc en diagonale, 1, 2 blocs ici et 2 blocs comme ça, ok? Voilà, comme ça c'est assez facile à repérer. Et une fois qu'on a ça, eh bien tout le reste est la même chose. On reprend exactement là où on en était arrivé. Hop, pouf, et on continue ici. Et là, on recopie tout ce qui est en dessous. Paf, 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 paf. Hop, jusque là, pouf. Allez, vas-y. Alors, on s'arrête pile ici, très bien. Hop. Et voilà, enfin bref, etc, etc. Et ce, sur toute la longueur, en fait, ici, du premier étage. Hop, donc on a refait tout le tour ici, hein, comme je vous ai montré. Alors l'idée maintenant, qui va nous coûter un maximum de bois, hein, c'est pour ça qu'on va utiliser, c'est pour ça que vous avez besoin d'autant de planches de bois, hein, 104 000 je crois, si je me rappelle bien. C'est juste monstrueux, parce qu'on va remplir la surface ici, tout ce qu'on a fait là, en bois, bien sûr. Hein, hop, à hauteur de ce qu'on vient de faire, hein, tout simplement ici. Donc, paf, 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 etc, etc, sur toute la longueur. Une fois qu'on a mis tout le bois ici sur la surface, ce que l'on va faire, c'est que l'on va doubler l'épaisseur de la partie en béton, ici, comme ça, ok. Donc, on remet une couche de béton sur toute la surface, comme ça, hop, pour refaire tout le tour du... de l'hôtel, ok, voilà, youp, hein, en prenant en compte bien sûr la partie arrondie, hein, on repasse par dessus aussi, etc, etc, ok, let's go, ok. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien vous remarquez une petite chose, c'est que eh bien on a une espèce de grande plateforme qui flotte dans les airs sans aucun support au niveau du sol pour la soutenir. Et donc du coup, ben, on peut dire, oulala, des fois, qu'est-ce que t'es fort, t'arrives à faire léviter des trucs dans les airs, et là, je vous dirais, en fait, mais non, sur Minecraft, c'est comme ça de base. Ben, enfin bref, et du coup, ça n'aurait absolument aucun sens. Ce qu'on va faire du coup, pour que ça ait plus de sens, c'est qu'on va mettre des murs. Et donc, on va utiliser du bloc de bois de sapin, hop, ou du pin, ou du... je sais toujours pas ce que c'est, bref. Et... on va mettre des murs comme ça sur toute la longueur de notre du bout, en fait, tout simplement, de notre hôtel. Ok. Hop, comme ça. Voilà. Hop, j'y arrive pas. Hop, voilà. Et à l'autre bout de l'hôtel, on va faire la même chose. D'accord. Hop. Je mets ça rapido. Et en fait, on va suivre une petite règle assez simple pour ne pas trop se casser la tête. À savoir où mettre les murs, où mettre les fenêtres et tout ça. Je vais pas vous donner un plan, en fait, je vais vous donner une petite règle simple qui va vous permettre de faire ça facilement. Déjà, on fait le bout les bouts, quoi, tout simplement, de la boucle ici, vous voyez. Hein. Eh bien, là, on met un mur complet et on déborde un peu ici sur le côté, genre de 4 ou 5 blocs, par exemple. Hop, il n'y a pas besoin d'avoir de mesures précises là pour le coup, vous allez comprendre juste après pourquoi. Genre ici, on peut mettre juste là, hein, tu vois. Hop. Donc, il faudra faire ça de l'autre côté, là-bas, ici aussi. Ce qu'on va faire, la petite règle à suivre, c'est que l'on va faire 6 blocs de fenêtres pour 10 blocs de murs. Ok. Donc, pour un côté plus joli, plus pratique, j'utilise des blocs de verre. Pour vous, si vous êtes en survival, évidemment, vous pouvez utiliser des blocs de glace pane. Donc, comment on appelle ça en français? Des vitres, tout simplement. Parce que ça coûte beaucoup moins cher en ressources. Moi, je vais utiliser des blocs de verre parce que c'est beaucoup plus facile à placer à la main. Et alors, dans des arrondis comme ça, je vous raconte pas la galère si je devais placer tout ça à la main avec des vitres. Donc, je répète, 1, 2, non, 2 comme ça, 3, 4, 5, 6 blocs de fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de murs.
1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de fenêtres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de murs, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et une fois que vous avez ça, hein, eh bien l'idée c'est tout simplement de les construire et de les faire toucher le mur, enfin le plafond, hein, tout simplement. Youp! Comme on avait fait pour le petit mur du fond. Hop, voilà. Les vitres, enfin les fenêtres, c'est pareil. On va rajouter des blocs jusqu'à toucher le plafond. Hop, etc., etc. Vous avez compris le truc, hein. Voilà. Et on va faire ça sur tout le long de l'hôtel. Il y aura juste deux petites... comment pourrait-on dire ça? De petites subtilités. Ça sera autour des accès ici, comme ça, vous voyez. L'idée, c'est qu'une fois qu'on sera autour des accès ou autour de l'accueil, là par exemple, c'est qu'il faudra prolonger les murs tout simplement. Là, mettons qu'on mette des vitres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Puis après des murs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là, j'arrive pile poil parce que voilà, c'était calculé comme ça depuis le départ. Mais. Vous remarquez d'ailleurs que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs exactement comme les fenêtres. Voilà, tout est pensé à l'avance. Donc après on repart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, puis après des vitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, tout simplement, ok. Et on continue comme ça tout du long jusqu'à l'accueil. Hop, donc voilà, on arrive... proche de l'accueil ici, donc là j'ai mis les 10 blocs de mur, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de fenêtres, puis après 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de mur, donc là ça tombe plutôt bien, on n'a plus que 6 blocs de mur, mais c'est pas grave, on arrive proche de l'accueil, donc on arrête et on met rien à ce niveau là, d'accord? Et de l'autre côté, on reprend par des murs. On avait mis 6 blocs de l'autre côté, donc on va reprendre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de mur là aussi. Vous voyez, donc pas 10. Hein. L'idée ici, c'est qu'on utilise 6 blocs de chaque côté de l'accueil pour avoir une symétrie. Parce que si on a plus de murs d'un côté que de l'autre, ça pourrait déséquilibrer un petit peu l'harmonie visuelle de l'accueil. Oui, j'utilise des termes comme ça. Un truc de dingue. Donc, on reprend derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, blocs de murs, etc., etc. Vous voyez, c'est juste autour des entrées qu'il faut faire attention. Et sinon, tout le reste, bah, c'est du 6 blocs de fenêtres, 10 blocs de murs, et ainsi de suite. Je vous fais ça rapido. Autre exemple, autre cas au niveau de la zone à ce niveau-là, de l'entrée qu'on avait fait ici. Eh bien, j'ai mis les 10 blocs de murs ici, vous voyez, donc là. Et il ne reste que 2 blocs avant d'avoir l'entrée ici. Donc, si je mettais des fenêtres à ce niveau-là, bah, l'entrée serait entourée de fenêtres. Ça peut être cool, mais ici, dans notre hôtel, on va pas faire ça. On va prolonger le mur, quitte à avoir 12 blocs, c'est pas grave, jusqu'à avoir vraiment une entrée qui est encadrée par deux murs. Comme ça, au moins, ça nous permet d'avoir... bah, je fais ça comme ça, tout simplement. On reprend la même chose de l'autre côté, du coup. J'ai mis 12 blocs ici, du coup. On va reprendre la même de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, ici, on est à l'arrière du bâtiment. Donc, on mure complètement ici, tu vois. Et on reprend la même longueur à ce niveau-là. Donc là, on avait mis 4, 5, 6, 7. Ok, blocs. Donc on reprend la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs pour avoir une symétrie par rapport à l'autre côté. D'accord? Et puis après, là, pareil, on continue. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de fenêtres et les blocs de mur, etc., etc. Hey, donc, voilà ce que ça donne. On commence à voir vraiment le bout du bâtiment poussé là. C'est vraiment ça en plus du coup. Alors, donc bah, on n'a pas fini le premier étage encore parce qu'il manque l'accueil et la tour en verre, mais on fera ça après. On va d'abord mettre tous les étages et après on fera la tour en verre, si ça vous dérange pas. Alors, on va reprendre nos blocs de bois de sapin et on va venir ici mettre... 4 blocs en hauteur, 1, 2, 3, 4, ok, très bien, on va remettre après le plancher par-dessus, non, alors, pas ici, on va d'abord calculer où va se trouver l'extrémité de l'étage du dessus, bien sûr, donc ce que je vous invite à faire, c'est partir de ce bloc-là, ok, et compter 7 blocs en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
À partir de là, vous comptez 1, 2, 3, 4 blocs, vous enlevez les 3 blocs en dessous, et là, ça sera votre point de chute. Ce sera vraiment l'extrémité de la, de l'hôtel, en fait, de l'étage du dessus, ok? On va commencer comme ça. De l'autre côté, ici à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est que... on est revenu sur le modèle, hop, c'est que ici, là, pour le premier étage, au-dessus, on va mettre directement au-dessus, et après, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs, ok? Puis après, on va compter 6 blocs, puis après 5, puis après 6, puis après 5, puis après 6, etc., etc. Vous voyez le truc? Donc, première fois au-dessus, puis après on décale de 5, puis après de 6, puis après de 5, puis après de 6, etc., etc. Donc, pour notre coin à ce niveau-là, on va donc mettre les blocs à 1, 2, 3, 4 blocs au-dessus. Vous voyez, donc là pour le premier bout de l'étage. Il faudra pas oublier un truc, c'est qu'à chaque étage, on va avoir 2 blocs d'épaisseur de béton blanc. Ok. Donc, on peut directement mettre 2 ici et 2 ici. Ok. Youp. Et maintenant, pour pouvoir calculer les étages du dessus, hein, chaque étage au-dessus, on va donc reproduire exactement la même forme qu'on avait en dessous, ici comme ça. Hop, 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 par exemple. Hein. Et on va compter à partir de là 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et à partir du cinquième bloc ici, on va recompter 1, 2, 3, 4. Pouf, 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 on enlève les 3 blocs en dessous. On remet un deuxième ici. Ok, et ça vous fera l'extrémité de l'étage du dessus, d'accord? Et hop, on refait la même chose qu'en dessous ici, comme ça. Hop, hop, vous voyez, vous comptez ici, et là, cette fois-ci, on va compter 6 blocs, ok? Donc 2, 3, 4, 5, 6, à partir de là, vous comptez 1, 2, 3, 4 blocs, paf, 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 et etc, etc, tout le long du bâtiment, en fait. À chaque étage, vous décalez de ce côté-là, donc 5 blocs pour le premier, puis après 6 blocs, puis après 5 blocs, puis après 6, etc., etc., pour chaque étage qui font 4 blocs au-dessus. Ok, on va faire l'autre côté du coup maintenant. L'autre côté, ça va être plus simple, ça va être 7 blocs de décalage à chaque étage, d'accord? Donc là, on avait 7 blocs de décalage, on est revenu ici. On reproduit la même forme qu'en dessous. Hop, donc on a une forme comme ça. Hop, 2... 2, 1, 1, 1, 1, 1. Hop. Comme ça. Ok. Donc on vient compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. À partir du 7ème bloc, j'ai mis 2 blocs de hauteur. Ouais, c'est bon. On va compter donc 1, 2, 3, 4 blocs. Paf, paf, paf. On met directement un autre bloc au-dessus. Parce qu'on aura 2 blocs de béton à chaque fois. Hein. Et puis, on reproduit la partie d'en dessous. Donc là, je vous indique hein, vraiment comment mettre les extrémités des étages. Hein. Donc là, on a 2 blocs, c'est bon. Donc on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En comptant évidemment les blocs d'extérieur, hein, les blocs d'extérieur à la courbe. Je sais plus où je suis du coup. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on va recompter 1, 2, 3, 4. Paf, paf, paf. Ok. Et etc, etc, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire pour pouvoir véritablement finir les étages à chaque fois, c'est qu'on va relier ces deux points-là. Vous voyez, ce point-là et ce point-là au niveau du même niveau. Hop, voilà, on est sur la même hauteur. Donc, on va relier en ligne droite, si possible, ces deux blocs-là. Puis après, ces deux blocs-là en ligne droite. Puis après, ces deux blocs-là en ligne droite. À chaque fois aussi, par étage. Donc, là, faut vraiment y aller à tâtons. Hop, par exemple, ici, pour le premier bloc, il me semble que c'est donc un bloc de décalage, puis après deux blocs en longueur, puis après un bloc en décalage, puis deux, puis un, puis deux, puis un, puis deux. Je crois que c'est comme ça et je dois arriver presque au bout. Ouais, voilà, j'arrive au bout quasiment. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'avoir quelque chose de droit. Évidemment, c'est là un petit peu la difficulté de l'étage, de l'hôtel, c'est que les lignes ici comme ça sont complètement différentes à chaque étage. Donc voilà, ici ça doit être un peu plus en diagonale, je suppose. On va tester la diagonale et on va voir si ça passe. Oui, ça passe nickel, vous voyez. Donc le deuxième bloc, ça sera en diagonale pour le deuxième étage de cette partie là ici on va tester, hop, comme ça. Avec 3 blocs en diagonale et un bloc de 2, on verra bien ce que ça donne.
Ok, on arrive pile poil. Ok, donc vous voyez le con, vous avez compris le principe, je suppose. Et donc, l'idée c'est qu'à chaque fois, évidemment, à chaque étage, on va reprendre, en doublant quand même l'épaisseur, paf paf. Yo, paf, comme ça, paf, 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 paf. Et il faudra reprendre ça sur toute la longueur du bâtiment, refaire ça à chaque fois. Évidemment, les murs seront aussi exactement les mêmes. Là, par exemple, je vais mettre le plancher vite fait à cet étage. On va déjà doubler l'épaisseur ici. Hop, 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 hop. Alors, ouais, ici, on peut même carrément boucher. Ok, comme ça. Alors, vous voyez qu'ici, là, j'ai mis des blocs en plus. On peut les enlever. C'était vraiment pour pouvoir repérer les étages du dessus. Hop, hop, hop. On n'est pas du tout obligé de les mettre. Ok, donc on est comme ça. On va rajouter le petit plancher rapido. Et ok. Du coup, on va reprendre les murs qui sont en dessous, ici, vous voyez. Et on les prolonge tout simplement au... Même dimension à chaque fois, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, normalement on est aligné avec en dessous. Ouais, exact. Vous voyez, donc on reprend vraiment exactement la même chose, évidemment, sauf à l'endroit où il n'y a plus de mur au-dessus. On s'arrêtera tout simplement à ce niveau-là, ok, au dernier bloc de libre qui est au-dessus de l'étage précédent, d'accord. Tout simplement, on arrêtera nos murs ou nos fenêtres à ce niveau-là. Donc là, en l'occurrence, des fenêtres. Hop, on commencera le mur à partir de là. Et on mettra un mur comme ça, hop, sur toute la longueur. Jusqu'à joindre notre bloc ici. Hop, ok. Et on va pas faire, par contre, le... Hop, tout le mur. On va laisser une entrée. Pour pouvoir accéder à la terrasse quand même, sinon c'est un petit peu dommage. Donc on peut laisser ça comme ça par exemple si on veut, hop, ou alors mettre de la vitre, hop, vous voyez. Et on va faire ça à chaque étage. Donc on fera aussi ça de l'autre côté aussi bien sûr, à la différence que de l'autre côté on va avoir 8 blocs de décalage ici par étage, d'accord, 8 blocs à chaque fois, et de l'autre côté ici on aura 10 blocs de décalage à chaque fois, d'accord. Je vous fais le deuxième étage au complet pour vous montrer. Donc on fait exactement la même chose hein, pour l'instant. Hop, on recopie ce qu'il y a en dessous. Paf, paf, ok. Voilà pour le deuxième étage, enfin en tout cas une partie du premier étage, pardon. Rez-de-chaussée, premier étage, j'ai toujours du mal avec cette histoire. Alors, ici, pour avoir un décalage avec le bout de notre hôtel, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs à partir du bout. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, pardon. Et on s'arrêtera là. Donc moi il me suffit de rajouter un bloc ici comme ça. Et puis on est bon. Et toujours 2 blocs de haut. D'accord. De l'autre côté. Alors je vous avais dit, on va faire des marges de 10 par 10 à chaque fois. Donc des bouts de 10 par 10. Sauf, et c'est là la petite subtilité, sauf pour le premier, le premier étage à ce niveau-là, on va ne mettre que 5 blocs de long pour la terrasse. Donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs, 1, 2, 3, 4, paf, 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 et on s'arrêtera là. Ce qui fait que la terrasse va avoir une forme un petit peu bizarre, mais bon, ça c'est pas grave. Hop, ça ne donne pas le cancer, donc tout va bien, ça n'explose pas non plus, jusqu'à preuve du contraire, donc on est bon. Et toujours, évidemment, sur 2 blocs de hauteur, je sais que vous avez complété la phrase chez vous, parce que vous êtes des étudiants assidus. Oh oui, des étudiants carrément, je fais un tuto et moi je me prends pour, pour je sais pas quoi. Alors, donc comme on est arrivé en bout ici d'étage, eh bien on va tout simplement relier ces 2 blocs là d'une ligne droite. Youp. Et donc voilà, on va tester. Je vais mettre je vais faire ça comme ça. On va voir si ça s'enquille. C'est un petit peu léger peut-être. Ah, quoique ça, en fait ça passe. Vous voyez, donc pareil hein, encore une fois, on met 2 couches. Hop. Moi j'enlève ces blocs là, vous voyez, parce que j'aime bien, je préfère, je trouve ça plus net. Et puis après, on rebouche avec, hop, du plancher.
Ok. Et voyez ce que ça donne au niveau de notre deuxième étage à ce niveau-là. Ou premier étage, voilà. Ah, bref, vous m'avez compris. Donc, pour faire la, l'extrémité du coup du troisième étage, on va reprendre ici. Et à partir de là, par contre, sur l'extérieur ici, on va faire des lignes de 10 blocs. Ok, on va compter 10 blocs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 au-dessus. On enlève les 3 en dessous. Et on remet un par-dessus. Et on refait, paf, paf, tout l'étage à partir de là. Vous voyez? Donc tout jusque là-bas. Et on refait tout à chaque fois avec 10 blocs de décalage par rapport à ici et 8 blocs en face. Et par contre, à partir de là, à partir du deuxième étage jusqu'au tout au-dessus, on mettra toujours 10 et 8 blocs de décalage à ces niveaux-là. Paf, 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 paf. On enlève ici, paf, 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 ok. On va de l'autre côté, youp, 8. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. 1, 2, 3, 4 en l'air, on enlève les 3 au-dessous, on double l'épaisseur, on refait la même chose qu'en dessous au niveau du mur, paf, 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 ok, voilà, superbe, on double l'épaisseur, paf, 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 youp, on enlève les petits blocs à ce niveau-là. Ici, on relie ces blocs-là et ces blocs-là pour avoir l'extrémité de l'étage, j'ai voulu dire étage et hôtel en même temps. Ça marche moins bien. 1, 2, paf, 1, 2, paf. Il faut tester, hein, voir quelle longueur passe. Ça passe nickel, très bien. On enlève les blocs des coins-coins. Hop, ici, on double. Oh, magnifique. Et on remet du... Attention, je sais que vous avez complété la phrase chez vous. Du plancher, bien sûr. Paf, youp. Paf ici, etc. Etc. Et ça sera la même chose pour chaque étage jusqu'à arriver à l'étage maximum. Je vais vous dire combien il va y avoir d'étages d'ailleurs dans la... Hop, dans l'hôtel. Youp, et etc. etc. Donc là c'est le bout, hein, et vous faites la même chose sur toute la longueur jusque là-bas. Là-bas je vous ai déjà montré, je crois. À part que j'ai pas doublé les épaisseurs à chaque fois, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, je fais les étages. Hop, voilà le troisième étage demi. Donc pareil, pour mettre le quatrième étage en place, on va refaire toute la scène. Ici, là, on est à l'extérieur. Ici, donc, on est à 7 blocs de décalage, hein, bien sûr. Ici, c'est toujours 7 blocs de décalage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais mis 7 ici, peut-être. J'avais compté à partir de là. Après, évidemment, ça dépend d'où vous commencez le compte. C'est pas forcément évident à chaque fois. Tiens, j'ai cassé le truc ici. Donc si on commence à partir de là, oui du coup effectivement ça partait d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, youp, ok, très bien, hop, hop, on met les choses un peu comme ça, youp, la même chose de l'autre côté, pouf, pouf, donc celui-là je l'avais déjà montré, hein. Je refais une petite fois encore pour être sûr que ça soit bien compris, on fait ça, ok, on enlève les petits blocs qu'il y a dans les coins, hop, hop, mince, paf, 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 ok. Une fois qu'on a ça, du coup, on double, j'en reviens, on double l'épaisseur. Pouf, 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 paf. Ah, tu t'attendais pas, avoue-le. Alors, une fois qu'on a ça, on va rajouter un plancher rapido. Hop. Et voilà. Et etc, etc. À partir de là, on prolonge tout le reste de l'étage de la même façon. Ici, de l'autre côté, vous vous rappelez, hein, de ce côté-là, on rajoute 8 blocs. Hein, j'espère que vous avez retenu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, paf, paf, paf. Ok. À partir de là, on va recompter ici. Hop. Voilà, comme ça. De l'autre côté, on compte... 10 blocs, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, paf, 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 ok. Donc ici, on remet les blocs comme en dessous, à chaque fois, etc, etc. On enlève les petits blocs de coin, youp, youp. Maintenant, on double, hop, l'autre côté aussi, hop, hop, hop. Et évidemment, on relie les deux parties ici, comme ça, en ligne droite le plus possible. Donc là on va essayer 3 par 3,
Hop, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf. Pouf, j'ai dit, 1, 2, 3, pouf, 1, 2. Ouais, c'est un petit peu juste, on va peut-être faire ça comme ça. Voilà, comme ça on a 3, ici on aura 2 au milieu, mais bon, ça se verra pas trop. Donc, on enlève les blocs des coins et on double l'épaisseur. Pouf, 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 pouf. Voilà. Et puis après, on met le plancher, évidemment. Hop, etc, etc, sur toute la longueur de l'hôtel à chaque fois, d'accord, et etc, etc, on va faire tous les étages comme ça, hop, je ne sais plus combien il y a d'étages, il me semble qu'il y en a 17, je vais vérifier, hop, sur mon modèle, alors au total, tout en haut, vous voyez qu'on est sur un étage qui devient tout petit au final, et donc on a combien d'étages au total? On a 24 étages, donc pas du tout 17 en fait. Donc on a le rez-de-chaussée plus 24 étages, donc 25 niveaux au total. D'accord? 25 niveaux où vous devez compter 8 blocs à chaque fois, etc, etc. Et donc ben c'est parti, je pense que je vous ai bien expliqué comment on fait pour monter d'étage en étage. Donc on recopie la même chose à chaque fois sur 24 étages, et puis let's go quoi. Et voilà le travail. Alors, je veux faire juste, dès le départ, dès maintenant, une petite rectification. Ok ? Si j'avais mis qu'il y avait un décalage de 7 blocs par 7 blocs de ce côté-là, c'est vrai jusqu'à un certain point, en fait. Parce que si on fait du 7 blocs tout du long, malheureusement, il y a un décalage au niveau du haut. Et donc, je vais rectifier un petit peu. Vous avez des... sur ce côté-là, du coup, hein, comme on disait, hein, des décalages de 7 blocs par étage jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e étage. Alors attends, je vais vraiment bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. À partir du 7e étage, on fait jusqu'à 7 blocs par 7 blocs. Ok. Donc avant, on fait du 7 par 7. Et après, on fait du 8 par 8. D'accord. On décale de 8 par 8. À partir du 7e étage. Et là, à partir de là, on n'aura plus de problème. D'accord. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Ok, donc, j'ai pas mis les murs encore, comme vous pouvez le voir. Les murs, c'est exactement comme je vous ai dit, c'est-à-dire vraiment ce que vous avez pu voir. De toute façon, c'est la même chose partout. Vous avez des murs ici. Il y aura un mur tout du long jusqu'à temps qu'il y ait des murs au-dessus, tu vois. Jusqu'à temps qu'il y ait des étages au-dessus. Et pareil, il y a des fenêtres ici. Donc, il y aura des fenêtres tout du long et partout. Pareil sur la structure. En tout cas... maintenant, hop, j'ai passé un certain temps à faire ça, je vous le cache pas. je suis content parce que ça avance, on sent que ça avance. Il nous faut mettre les murs, notre tour en verre que l'on va faire là maintenant, le toit et l'aménagement de l'accueil. Une fois qu'on aura fini ça, on fera les plages à l'arrière et ce sera bon. Donc oui, on a une certaine quantité de choses à faire. Mais bon, bref, je vous invite à vous munir prestement de... bloc de vitre bleu clair, d'accord, pouf, et on va venir en mettre pouf 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 paf paf. Voilà, à ce niveau là ok, donc de part et d'autre de notre entrée du bâtiment ici, de l'entrée principale va-t-on dire, hop, comme ça aussi d'ailleurs, ouais, on va faire... Oui, on va faire ça. Attends. Ouais. On va faire ça comme ça. Vous voyez ? Hop. 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 Ok. Donc, on va monter le mur comme ça. En vitre. Jusqu'à 4 blocs au-dessus du dernier étage. Pour pouvoir. Hop. Passer tout simplement. Hop. Voilà, donc là on est vraiment au dernier étage, on fera le toit tout à l'heure, et on va vraiment mettre le toit en vitre à 1, 2, 3, 4 blocs au-dessus, ici comme ça, d'accord? Et l'idée c'est qu'on va mettre toute la tour ici comme ça, jusqu'à cette hauteur-là, on va juste délimiter l'entrée de l'hôtel, ok? Ici là on va compter 1, 2, 3, 4, 5... donc ça fait 6 blocs en hauteur, hein, vu qu'il y avait déjà un bloc à la base, donc ça nous fait un bloc, 2, 3, 4, 5, 6, ok, on a la même hauteur. On reprend
Hop, attends, non. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc là, on a repris la même dimension. Ok. On va combler, pouf, pouf, comme ça, les murs en vitre. Hop. Alors, les murs en verre se voient moins bien que le reste, forcément. Hop, etc, etc, vous avez compris l'idée, on va monter tout ça jusqu'au ciel quasiment. Hop, d'ailleurs avec les nouvelles versions de Minecraft qui vont venir, la 1.17, la limite au ciel sera augmentée, ça sera très pratique. Alors, donc on va faire l'autre côté aussi. Ok, donc voilà l'idée. Hein, donc c'est vraiment toute cette zone là, toute cette partie là, que l'on va monter après, tout jusqu'au ciel, à 4 blocs au-dessus du dernier étage, ok. Donc là aussi, j'espère que vous avez prévu un sacré stock de glace, de vitres bleues, enfin de blocs de vitres bleues, parce que, voilà, hein. Allez, let's go, youp. Ok, donc j'ai mis la tour en verre, mais pas complètement finie, bien sûr. Pour pouvoir la finir, la tour en verre, il va nous falloir faire quand même l'aménagement du toit, au moins en partie. Donc, l'idée, c'est que l'on va venir prendre du béton blanc, on va venir dans le coin ici de notre tour en verre, d'accord. Et on va mettre une ligne de béton jusqu'à l'autre côté, en essayant de viser à peu près le milieu de là où vous êtes. Donc à peu près en diagonale, on va dire, paf, 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 paf. Est-ce qu'en diagonale ça rend bien? Oui, ouais. L'idée c'est que à ce niveau-là, on va avoir une terrasse avec un point de vue. Et ici, on aura de l'herbe avec des arbres, d'accord? Donc toit végétalisé. De l'autre côté, on va faire un peu pareil, on va essayer d'être à peu près par là aussi. Vous voyez, donc si on va en ligne droite, hop. Et qu'on fait comme ça, qu'on recule en appuyant juste là où il faut, on a des blocs de 5, 1, 2, 3, 4, 5, paf, paf. Voilà, vous essayez d'avoir à peu près ça. Oui, bon. Hop, donc toute la partie qu'il y a ici, là, vous voyez, au centre, on va la bétonner, hop. Youp, on remplit de béton. Et une fois que l'on a ça, eh bien on va pouvoir finir notre tour en verre. On va rajouter du coup des blocs bleus, hop, par ici, sur le côté hein, de notre ouverture ici. Pouf, pouf, pouf. Alors on va laisser une ouverture ici, voilà, de 4 blocs pour pouvoir rentrer. Quand même, c'est plus sympa. Pouf, pouf. On met le reste des blocs ici. Soit on met une deuxième entrée ici, comme vous voulez, soit on bloque tout ça. Pouf, on va pas mettre ici comme ça, on va mettre ça plutôt, voilà, comme ça, jusqu'à rejoindre l'autre côté. On va mettre ça jusqu'à 4 blocs de hauteur. Hop. Ok, une fois qu'on a monté les murs ici comme ça, on rejoint, hop, ici. Et toute la surface qu'il y a ici, on la met en vitre bleue. Youp. Hop. Voilà, et sur toute la surface, voilà, pour faire un petit plafond. Voilà. Alors, du coup, une fois qu'on a fini notre tour en verre, et on va faire le toit, tant qu'on y est, on va utiliser dans les creux qu'il y a ici et là-bas de l'herbe pour pouvoir remplir tout simplement tout cela. Hop, on remplit d'herbe. Allez, let's go. Voilà. Youp. Et vous commencez à voir effectivement qu'on avance hein, au niveau de l'hôtel. Hein, ça commence à prendre de la tronche. Ah, oui, 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 oui. Donc ça, c'est cool. On va rajouter quelques arbres, genre pouf, pouf. Allez, 3, 4 de chaque côté. Puis après, on va mettre des herbes aussi. Paf, paf, paf. Ouais, voilà. Hop. Alors, de la poudre d'os rapido. Pouette. Donc, on va rajouter, une fois qu'on a mis les narbres, pouf, voilà, on met de la bonne mille, de la, comment on appelle ça du coup, de la poudre d'os à fond la caisse, youp, je vais le renommer d'ailleurs le tutoriel comme ça, on met de la bonne mille à fond la caisse, enfin de la poudre d'os à fond la caisse, je suis sûr les gens vont comprendre.
Alors. Yup, voilà, ça nous fait quelque chose d'assez sympathique. Du coup, on rajoute du coup là-dessus les vitres normales cette fois-ci, hein, donc les vitres toutes fines, pour une fois. Hop, et on en met sur le pourtour ici de notre terrasse. Enfin, c'est pas tellement une terrasse en fait, ça sera plutôt un point de vue. Vu qu'on est quand même à plusieurs, à plus d'une centaine de blocs de hauteur, on est à 130 blocs de hauteur, quelque chose comme ça. Enfin, je peux vérifier ici tout de suite. 128 blocs, donc quasiment, ouais, 130. Sachant que ici je suis sur une map flat, hein, donc c'est quasiment la bedrock directement en dessous. Donc ouais, on est à 120 blocs de hauteur au moins, quoi. Hop. Donc voilà, c'est à cette altitude, c'est pas tellement lieu pour bronzer, quoi. C'est plutôt très très venteux normalement. Moi, ça me donne froid rien qu'à l'idée. Bref, du coup, ce qu'on va faire sur notre petit toit, ce sont des points de vue. Donc, vous savez, des espèces de longues vues dans lesquelles vous avez des fois dans les villes, hop, ou sur des points en hauteur, vous avez des espèces de jumelles payantes. Je vais peut-être pas prendre de la Mossy, je vais prendre ça. Et donc, on va utiliser un bloc que j'utilise jamais sinon. Les observeurs. Alors, je crois qu'il y a autre chose qu'on peut utiliser. Dispenser, pourquoi pas. Alors. Ouais, voilà. Vous voyez, les observeurs, on a juste un trou comme ça et ça fait bien l'effet de jumelles comme ça. Je trouve. Ah, du coup, j'ai plus mon muret. Ah, bah, ça, c'est bien. Bien dommage. Voilà, on va en mettre un certain nombre, vous voyez, sur le toit. Voilà. Alors, paf, paf. Ah. Voilà. Vous voyez. Alors, en plus du coup du reste, on va utiliser un levier. Hop. Alors, est-ce que c'est un levier qu'il faudrait ou un bouton plutôt? Peut-être plutôt mettre un bouton, parce que là du coup ça fait un peu les yeux que vous par lesquels vous regardez en fait, et là ça fait vraiment le la lentille, quoi, pour voir loin. Donc vous mettez un petit bouton sur le côté et puis hop, ça le fait carrément, non? Si, ça le fait. Si, si. Donc hop, on va mettre ça un peu partout. Paf, 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 paf. Non, non. Paf, voilà. Paf, 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 paf. Non, non. Je fais n'importe quoi. Yup, voilà. Paf, paf. Et donc, pou, feu, paf, pif. Ok. Donc moi, je trouve ça plutôt sympathique. On va rajouter quelques bancs. Parce qu'ils ont le droit de s'asseoir aussi, les gens, des fois. Surtout le reste de l'hôtel, ils ont l'obligation de faire bronzette sur des bronzates, tu vois. Mais ici, sur le toit, exceptionnellement, on leur donne le droit de s'asseoir. Non, parce qu'on n'est pas non plus en dictature. Pas complètement. Hop. Hop. Voilà. On peut rajouter quelques panneaux. Hop. Youp, youp, youp. La bonne vieille astuce, des pancartes sur le côté des escaliers pour faire un accoudoir. C'est vieux comme Minecraft, mais bah, ça marche. Hein, comme technique, c'est plutôt bien. Donc, je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas ça. Hop, juste pour seul argument que ça serait rétro. Enfin, voilà, le toit, pas forcément besoin d'une quantité incroyable de choses. On peut rajouter une antenne pour ceux qui le souhaiteraient. Une antenne qui ne se verrait pas trop. Voilà, on va faire une base en muret comme ça, et on va utiliser après des iron bars, donc les barres de fer. Voilà. Alors, paf, 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 ok. Ainsi qu'une petite torche de redstone. Hop. Youp, youp. Et puis, c'est bon. Oui, parce qu'on pourrait faire quelque chose de plus élaboré, mais ça reste un hôtel de luxe. Hein. Il faut pas trop que ça se voit, les choses moches. Ah oui, alors du coup, forcément, maintenant qu'on en est là, il vaut mieux faire
les murs, parce que c'est vrai que là pour l'instant c'est assez vide. Donc les murs, eh bien c'est assez simple, comme je vous l'ai dit. Youp, on va reprendre là où il y en a. On va tout simplement les prolonger tout le long des étages, en fait, les mêmes murs aux mêmes endroits. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. La seule chose où ça pourrait être compliqué, c'est au niveau des terrasses, ok. Au niveau des terrasses, bah, ça va faire comme je vous avais montré tout à l'heure, je vous remontre quand même. J'ai envie que, hop, tout le monde comprenne bien. On rajoute des murs sur tout le long du bord, ici comme ça, tu vois. Alors, attends. Hop, 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 voilà. On va rajouter des murs jusque là. On va laisser 3 blocs d'ouverture pour la porte. Voilà. Alors. Ouais, donc ici, on va ouvrir jusque là. Parce que comme il y a une ouverture en dessous, en fait, bon, on va faire une ouverture au-dessus aussi, bien sûr. On va reprendre le mur là, vous voyez. Et après, sur toute la longueur, etc., etc. Donc l'idée, c'est que sur tous les murs à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, etc., 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 on mettra des murs complets, hein, comme on avait fait pour le premier étage. Et sinon, pour tout le reste du bâtiment, encore une fois, mais vous avez compris, c'est la même chose partout. Donc, ben voilà, hein, let's go. Hop, youp, pouf, 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 on met les murs partout. Hop, 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 et puis voilà. Et voilà donc. Ah oui, c'est sûr, ça cause plus pareil avec les murs, là. Ah, ben oui, c'est sûr, j'ai mis beaucoup plus de temps que j'imaginais à mettre les murs. Mais regardez-moi la prestance du bâtiment. Ah, ça commence à causer, hein, ça commence à causer. On commence à vraiment sentir que ça avance. Enfin, même qu'on est plutôt sur la fin, hein, on va être honnête. Donc, il nous reste à faire les aménagements. Je vais pas faire l'aménagement intérieur. LOL. Donc, on va faire l'aménagement de l'accueil. En réalité, on va mettre des escaliers quand même, hein, parce que bon, sinon, ce serait compliqué. Donc, on va faire un accueil. On va faire aussi une terrasse. Enfin, on va faire les terrasses. Hein. Je vais vous montrer comment faire une terrasse. Et ça sera tout le temps la même chose pour toutes les terrasses de tous les étages. Et après, on ferait la plage à l'arrière. Ok. Donc, ici, au niveau de l'accueil du bâtiment. Déjà, prestance. Tu te dis, ouah, d'accord, ici, ça cause. Donc, on va prendre des blocs de bois de sapin. C'est pas des, je sais pas si c'est du sapin, encore une fois, mais... Bref, on va se mettre, genre ici, on va décaler de... Je sais pas combien de blocs. Le centre, mettons... Il est quelque part par là. Hop. Alors, je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai fait sur le modèle. Hop. Ah, c'est tenté que j'arrive à me... Youp. Ok. Voilà. Pouf. Au niveau du modèle, du coup, on est... à ça, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment un bureau d'accueil avec au centre un fond vitré avec tout un tas de flottes et de coraux, tu vois. Donc niveau swag, on est plutôt sur quelque chose d'intéressant. On est à combien? 5 blocs de la paroi en verre, très bien. De chaque côté, je suppose, c'est 5 blocs à chaque fois. Ici, c'est 4, d'accord. Bon. On va se débrouiller comme ça. Donc... on s'en retourne ici. Donc on va utiliser les planches de bois comme je disais et on va compter 2, 3, 4, 5, paf, et on va mettre déjà une barre de 5 blocs de longueur ici comme ça, tu vois. Après on va mettre 2 comme ça, 1 ici, 2 comme ça, pour l'instant ça donne ça. Hein. On va remettre 1, 2, 3, 4, 5, ok, on va remettre 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous avez compris, hein, on met 2, on met 1, on met 5, on met 2, on met 1, etc., etc. Et pouf, on arrive à faire un joli cercle comme ça. Voilà. Ah, tiens, j'ai des petits lags. Pouf. Donc du coup, une fois qu'on a notre cercle ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà doubler son épaisseur à partir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va venir ici comme ça et on va faire boup. Pouf, 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 paf. Ok, donc une fois qu'on a ça... on va quand même creuser dans le sol et on va creuser de 2 blocs de profondeur à l'intérieur de notre cercle ici du coup. Et on va hop, y mettre après évidemment, comme vous avez vu, du sable en fond, de l'eau par-dessus et pouf pouf,
Alors déjà une couche, voilà, de l'eau par-dessus et après des coraux plein partout. Voilà, on creuse déjà. Ok. Donc voilà, creuser de deux blocs de profondeur. Ce qu'on va faire du coup, c'est que l'on va enlever les blocs qu'il y a en dessous, les blocs en bois ou aussi, tu vois, les murs du coup. Et on va rajouter du lapis lazuli à la place pour vraiment avoir quelque chose de propre. Ok. Donc on peut même les mettre que sur deux blocs de profondeur aussi. Hop, comme ça, tu vois. Hop. Hop. Voilà, histoire d'avoir... Youp, youp. Et après, on prendra du sable. Attends, si déjà j'arrive à les mettre comme il faut. Ok, donc voilà, on va prendre le sable du coup ce coup-ci. Youp, on met tout au fond. Ok, donc par-dessus le sable, du coup, on va rajouter de l'eau, évidemment. Piu, 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 piu. Youp. Après, vous pouvez aussi faire un truc un peu stylé. Même carrément stylé. Vous choisissez le nom que vous voulez donner à votre hôtel. Donc, bref, le grand hôtel de la plage, par exemple. Tu mets hôtel de la plage. Et bien, par exemple, on peut rajouter en lettres d'or, donc en or, carrément, en bloc d'or. Nous, on est luxe ici. En plein milieu, tu vois, un petit H pour hôtel. Tu vois. Et là, c'est complètement swaggy, c'est complètement le style, et on va rajouter du coup du corail. Hop, donc du comme ça, hop, un peu partout, paf, 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 tu vois. Youp, alors, paf, paf. Etc, etc, tu vois. Et puis par dessus tout ça, on va rajouter du bloc de vitre. Youp. Hop, donc au niveau du sol. Et boum, voici ce que ça donne. Donc maintenant on va faire quand même quelques accès pour aller à l'intérieur de notre bureau ici finalement. Donc on va prendre les spruce trapdoor et on va venir mettre, hop, les ouvertures ici, là, par exemple, tu vois, pouf, pouf, donc, comme ça, hop, hop, tu vois, donc, on peut, ouais, normalement, faudrait essayer de faire un truc qui soit cohérent, en fait, genre, voilà, tu vois, là, on peut passer, très bien, et la même chose de l'autre côté, boing, 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 hop, où on va essayer de le faire tous dans le même sens, ça n'a pas forcément été évident, hop, genre paf, 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 voilà. Alors, voyons si ça marche. Ouais, voilà, là on peut passer, donc c'est très très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir rajouter un petit peu de végétation, un petit peu de décoration, on va vraiment faire le bureau lui-même. Donc on va utiliser quelques petites astuces, notamment de décoration, hein, je veux dire. Hop, donc notamment on va utiliser une dalle de smooth sandstone, une dalle de sandstone, hop, comme ça. On va utiliser une porte, vous pouvez utiliser la marque de porte que vous voulez. C'est pas des marques, c'est des bois différents, mais bon, moi j'appelle ça des marques. Hop, pouf, parce que je fais ce que je veux. Donc voilà, on a un siège incroyable, magnifique et merveilleux. Et on a devant notre siège, du coup, deux blocs que l'on peut utiliser pour réaliser un petit... comment on appelle ça? Un petit laptop, donc un petit ordinateur portable. Ok, donc on peut utiliser une trappe en fer, ça fait un peu effet clavier, tu vois. Et on peut utiliser par-dessus une trappe, tout simplement, genre comme hack. Hop, tu vois. Et donc, je me demande d'ailleurs si on ne peut pas mettre de painting dessus, tu vois, pouf, pouf, pouf. Paf, oh oui, on peut, trop bien. Donc, ça nous fait un petit ordinateur portable, là, tu vois, magnifique. Sur le côté de l'ordinateur, on peut aussi rajouter, bien sûr, une petite souris que l'on va modéliser par un bouton, tu vois. Oui, d'un seul coup, ça devient un bouton, ça devient une souris. Parce qu'on est trop balèze niveau suggestion. Tu sais quoi, on va rajouter autre chose aussi. Oui, je vous dis tu, voilà, calmez-vous. Donc, bref. Endrod, déjà.
donc les bars de l'End. Et c'est là que je vais vous demander quelque chose de méga swag. C'est-à-dire... on va utiliser des quartz, des piliers de quartz, vous voyez. Donc vraiment les trucs avec les rayures. Parce que, attention, la magie, vous les mettez dans un coin ici, genre paf, ou comme ça. Et vous mettez ça par-dessus, et d'un seul coup, ça vous fait une lampe et les rayures font un abat-jour. Vous pouvez applaudir, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo, mettre un maximum de pouces bleus vraiment pour tout le travail réalisé. C'est toujours ça de prix. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus. Et évidemment, mettez des commentaires sur la lampe ici. Vous voyez la superbe lampe qui est absolument magnifique et qui est donc à ce point-là bien faite que ça mérite des commentaires de votre part dans la vidéo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bref, donc on va... mettre la même chose dans les coins du cercle. Oui, mon cercle a des coins, tu te calmes. Donc, on rajoute ça ici, par exemple. Hop, paf. Et pouf, voilà. Et donc là, on est que sur quelque chose qui a encore plus de prestance, tu vois. Tu arrives ici, t'es un client. T'arrives ici, tu vas voir la personne à l'accueil. Et là, d'un seul coup, son bureau, tu vois, il est encadré par des lampes ultra swag. Dans une hauteur sous plafond, j'ai envie de dire, qui s'est vu rarement ailleurs. Là, d'un seul coup, tu vois, et en plus, tu bosses sur un aquarium, donc j'ai envie de dire, d'un seul coup, tu respectes. Bref, j'ai arrêté mes conneries, et on va utiliser des enclumes, d'accord? On va utiliser des enclumes avec des feuilles, parce que les enclumes aiment les feuilles. Hop, j'arrive pas à rouler ma souris. On va utiliser des enclumes dans les coins, ici, du cercle, genre paf et paf, genre paf ici aussi, là. Ok, boing, 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 et on va utiliser ça ici et ici, tu vois, paf, pouf, pif, attends même, 3, tu sais quoi, on va mettre 3 feuilles au-dessus des enclumes pour faire un petit peu de végétation, un petit peu beaucoup même, allez, on va se faire plaisir, hop, paf, 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 voilà. Et tu sais quoi, j'ai envie de faire une dinguerie. On va utiliser des end rods, donc des barres de l'end, et on va faire des lustres. Et c'est là que tu te dis, mais attends, normalement, les lustres, ça pend du plafond. Oui, exactement. Donc, on va sur le plafond. Voilà. Hop, et on va faire pendre des end rods tout jusqu'en bas, quasiment. Ouais, voilà. Donc, il va falloir une sacrée quantité de barres de l'end. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hop. Voilà, donc on n'est même pas à la moitié. Donc il vous en faudra facilement une centaine, hein, voire plus. Non, plus que ça. 200-300. Un peu plus bas encore. Hop. Alors, non, toi tu te calmes. Hop. Voilà. Donc à partir de cette hauteur-là, à peu près, on va mettre des feuilles en dessous des barres de l'end qui vont pendre un peu comme ça, vous voyez. Et qui vont s'arrêter juste quelques blocs au-dessus de l'accueil, tu vois. Et pour faire swag, on va en mettre une deuxième à côté. Paf, tu vois, avec un décalage dans la hauteur pour faire encore plus prout-prout. C'est-à-dire que quand tu vas venir à l'entrée de ton immeuble, en fait, quand quelqu'un va venir à l'entrée de ton immeuble, et bien il va voir directement que y a des lustres déjà complètement pétés. Et c'est là, tu vois, qu'on obtient le luxe maximal. Lorsque même avant d'entrer dans la maison ou dans le bâtiment, la personne qui y arrive se dit « Ouh là 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 là, l'intérieur a l'air dingue !» Là, t'as tout réussi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, on a fait l'accueil. Je pense que j'ai fait ce que je voulais faire. On peut rajouter quelques plaques de pression part et d'autre, juste pour la déco. Tu vois, il n'y a rien de particulier. Ça sert à rien, mais j'ai envie. Donc, on va faire ça. Je vais en juste deux, comme ça. Histoire d'aiguiller un petit peu le truc. Les terrasses, du coup, maintenant. D'accord, youp. Donc, vous voyez, hein, on a plein de terrasses partout. Là, je vais vous montrer comment faire une terrasse. Et puis après, ça sera exactement la même chose partout. Parce que on va mettre des... comment on appelle ça? Des piscines au bord des terrasses. Et donc, vraiment, ça va être...
Ça va être tout le temps pareil. Donc je vais pas en faire 150 000. Ok, on va au bout là-bas. On va laisser 3 blocs par rapport au mur, tu sais. Ouais, 3 blocs, d'accord. Et on va après mettre des blocs comme ça. Qui vont en fait être de la même largeur, enfin de la même inclinaison, on va dire, que les blocs à côté. En fait, elles vont être parallèles avec le bord du mur ici, d'accord. Là-dessus, on va rajouter de l'eau tout simplement dans le machin ici, tu vois. Hop, hop, yop, et yop. D'un seul coup, ça nous fait une piscine. Alors, on a mis, hop, voilà. On va rajouter quelque chose, on va rajouter un petit bronzat, un petit transat même, parce que on n'aura pas la place de mettre un vrai bronzat swag, comme on avait mis tout à l'heure. Enfin, pour vous, c'était tout à l'heure, pour moi, ça fait longtemps, mais parce que j'ai fait... Maintenant, en fait, si vous voulez, je fais mes tutoriels sur des grosses constructions, comme ça, je les fais en plusieurs jours, donc vous voyez rien, mais moi, ça fait 3 jours que je suis dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, un escalier. Et là, je viens de finir de faire des murs à fond la caisse pendant des heures, donc du coup, je commence à en avoir un peu marre. Je vous le coche pas, j'imagine que ça doit s'entendre. Bref, on met des escaliers comme hack, tu vois, paf, pouf, pif, et on met des transats. Voilà, bref, on va rajouter des enclumes, parce qu'on aime les enclumes. C'est bon, mangez-en. Non, je déconne, bouffez pas des enclumes. Hop, paf. Tu passes sur YouTube. Dis hey yo YouTube, voilà, j'allais dire dis coucou aux gens. Voilà, il y a Basté qui vous dit hey yo. Bref, on met des herbes hop, sur des feuilles plutôt sur l'enclume et pan, ça nous fait une terrasse méga swaggy de ouf. Ça m'aimait. Voilà. Et après, vous devrez faire la même chose partout. Il nous reste donc les fameuses plages artificielles à faire. Vous voyez ici, hein, donc l'idée, c'est vraiment cocotier, bronzat, cocktail, barbecue, scooter des mers, avec du volleyball. Et donc ici, on a même un bar. Donc normalement c'est les pieds dans l'eau, alors pour vous dire, il faudrait que je vous montre. Donc voilà ce que je voulais dire dans le fait que ça a les pieds dans l'eau. On a fait une ouverture ici pour inonder complètement une zone dans laquelle on a mis des transats qui surplombent la mer. Et avec le bar, les pieds dans l'eau pour les clients et les pieds au sec pour le barman, voyez-vous, avec des lumières partout comme il faut. Voilà, et autre chose, on a mis une discothèque, tu vois, avec des grosses enceintes de fous furieux. Mais je suis pas sûr que les têtes de squelettes soient faciles à avoir en survival. Donc voilà, avec une l'idée de ça, c'est une discothèque avec les pieds dans l'eau, elle aussi. Et la plateforme pour de DJ. Donc, on va faire ça. Donc... voilà, on va faire tout ça petit à petit. Alors, en premier lieu, on va faire les cocotiers. L'idée, c'est que l'on va mettre 3 ou 4 cocotiers sur le côté de chaque plage artificielle. Genre sur le côté ici, là, tu vois, pour laisser plus de place de l'autre côté, tout en habillant un petit peu l'espace. Donc, on va prendre les feuilles de la jungle. On va prendre aussi, bien sûr, les blocs de la jungle, de bois de la jungle. Et on va venir faire un cocotier qui va être avec un tronc un petit peu incliné comme ça, voyez-vous. Hop, comme ça, un peu comme sur les cartes postales des clubs de vacances. Et donc, on va mettre aussi, faites attention au niveau des troncs. Là, vous voyez, j'ai mis le tronc sur le côté. Il vaudrait mieux les mettre tous dans le même sens, ça fait plus joli. Voilà, hop, ça fait plus travailler. Alors, au niveau des feuillages, pour faire un feuillage de... cocotier du coup, ou de palmier, hein, on va plutôt m'appeler ça un palmier même d'ailleurs, enfin je pense que c'est assez kiff kiff. Du coup, on va mettre une petite plateforme de feuilles comme ça, avec une petite croix par-dessus, et des espèces de petites feuilles comme ça qui vont tomber
Tu vois, pouf. 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 Plouf. Et d'un seul coup, ça nous fait un cocotier tout magnifique, tout mignon, tout plein. On peut rajouter du coup aussi les... Hop. Les fameuses noix de coco ou cocoa beans, ce qui veut dire ouais, noix de coco. Enfin bon, on peut les mettre ici, tu vois, en haut du cocotier, et du coup ça nous fait bon, ça fait un petit truc en plus, tu vois. Et l'idée, voilà, par exemple, on en met hop, un ici, et comme ça nous habillerait complètement cette plage. Cette plage ici, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On va reprendre exactement ce qu'on a fait de l'autre côté de l'hôtel, à savoir des bronzates. Les machins comme ça, là, les dalles en spruce, les pots de fleurs et la neige. Hop. Et après, on se la joue MacGyver et on fait pouf pouf. Pouf pouf pouf. Pouf 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 pouf. Et paf. Et du coup, on a des bronzates. Et on va en mettre toute une tripotée ici, là, sur le côté, tu vois. Genre, espacé de deux blocs chaque, ici, ici, genre ici, ici, ici. Vous voyez, comme la plage, elle fait une courbe comme ça. Eh bien, on va mettre les bronzates un peu de la même façon. Je vous remontre pas à chaque fois. Voilà, c'est la même chose. On va rajouter aussi quelques tables parce que on n'est pas des bêtes et donc du coup voilà. Voilà, j'ai pas d'autres arguments. Paf, 1, 2, 3. J'ai pas d'escalier. On va prendre des escaliers pour faire des chaises rudimentaires. Hop. Pouf. J'ai jamais su c'était qui ce fameux rudimentaire. Alors. Paf. Oui, quand je commence à faire des blagues nulles, ça veut dire qu'il est soit très tard, soit que je suis fatigué, donc les deux sont relativement corrélés habituellement. Hop. Bref, vous pouvez faire des petites tables ultra simples comme ça. Et un barbecue. Alors, le fameux barbecue. On va utiliser des escaliers en briques. Voilà, je ne les trouvais pas. Les fameux. On va utiliser des... trappe en fer, et puis on va déjà essayer avec ça. On va faire paf, un escalier à l'envers, on va mettre en face de lui un autre escalier à l'envers, peut-être décalé d'un bloc ou deux, vous voyez, comme ça, pour pouvoir mettre la trappe en fer en milieu. Pouf, ici on va mettre des escaliers à l'envers encore, donc comme ça, comme ça, comme ça. On enlève ça, évidemment, sauf si on casse ce qu'on a fait. Donc ça nous donne quelque chose de sympathique déjà, un foyer qu'on peut allumer par-dessous. Par exemple avec un feu de camp. Hop. Campfire. Hop. Ah. Ah, je peux pas me le mettre par-dessus. Attends, paf. Si on fait comme ça et que je mets la trappe en fer par-dessus comme ça, là ça passe. Là on est content. Là tout va bien. Donc, on va rajouter. Paf. 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 Et une petite dalle par au-dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un barbecue assez sympathique. Assez simple. Hop. Ici, sur le deuxième... la deuxième plage, je vais refaire à chaque fois, mais... hop, il y aura des cocotiers ici, tu vois. Pouf. Pouf. Pouf, je le mets d'avance, je mets juste les repères, hein, parce que comme je vous ai montré déjà comment on faisait les cocotiers, voilà, je vais pas les refaire en boucle. On va utiliser ici des tapis blancs, pour faire un terrain de volée. Donc, white carpet, on va utiliser aussi, ah tiens, on peut utiliser ça, de la sandstone rouge, hop. On va mettre des bords, on va d'abord repérer le coin, vous voyez, hop, pour qu'on soit pas embêté par la suite. Mettons qu'on va mettre le coin du terrain de volée, du coup, ici, d'accord. Donc on va avoir, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 blocs de longueur. D'accord. Sur 17 blocs de large, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et hop, on va comme ça jusque faire la rencontre ici. Hop, voilà. Donc en plein milieu, on va utiliser des tapis déjà. On va mettre des tapis au sol, après on va faire les choses. On est à 19, donc 18, ça fait 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au dixième bloc, on met une ligne. D'accord. Deux blocs plus loin, sur les côtés, on va mettre une autre ligne. Tu vois. Et de l'autre côté aussi, pareil. N'est-ce pas? On va rajouter à côté de ça, des trappes en bois ainsi que des portes en fer. Pas des portes en fer, des machins comme ça, des iron bars. Ok. On va utiliser les... Ah, j'ai utilisé des trappes en fer. Trappes en bois, je voulais mettre. Paf, paf, on va en mettre trois, l'une par-dessus l'autre comme ça, à l'extrémité, au milieu du terrain. Hop, de l'autre côté, boing, 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 hop, paf, pouf, pouf. Hop, et une fois qu'on a ça, on va utiliser les iron bars, barres de fer, et on va les mettre, pouf, comme ça. C'est pour ça que c'est plus pratique d'avoir mis les tapis avant d'avoir mis les barres de fer, parce que sinon on aurait été obligé de les mettre, voilà, les unes à côté des autres, ça aurait été plus galère. Hop, vous voyez, donc on a notre terrain, on va changer le sol et on va utiliser de la red sandstone, parce que, enfin de la red, du sable rouge quoi. Sur mon pack de texture, ça ressemble à ça. D'ailleurs mon pack de texture, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo si vous voulez. Hop, mais avec le pack par défaut, ça ne dénature pas Minecraft. Donc allez, je change le sol, hop, du cours de deux volets par du sable rouge. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va rajouter le siège pour l'arbitre. On va utiliser des échafaudages, paf, 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 sur trois blocs de hauteur, comme pour le filet, ok. Et on va rajouter un petit siège par-dessus, en bois. Et on va rajouter quelques, paf, pancartes par-dessus, à un côté, voilà. Comme ça, ça permet à l'arbitre de vraiment avoir une vue claire du terrain. Ok, donc une fois qu'on a ça, boing, 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 normalement il faudrait mettre tout un tas de gens voilà, à faire du volet, mais comme je suis tout seul là pour le coup, hop, et ben vous verrez que moi, mais faire du volet tout seul ça fait un peu bizarre. À la limite ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre des armor stand, d'accord, armor stand, et après vous les habillez je sais même pas combien il y a de joueurs au volet pour vous dire. Hop, et après vous les habillez avec, genre l'une équipe, vous les habillez avec des armures en fer et l'autre avec des armures en diamant, ou des armures en cuir. Ou alors deux armures en cuir mais teintes avec des couleurs différentes. Voilà, ça peut être bien. Du coup, iron bars, barre de fer ici, tu vois. Pouf, et on peut mettre sur le long du quai ici, enfin c'est pas un quai mais le long de la plage, on peut rajouter des scooters de mer. D'accord ? Paf, paf, voilà. Par exemple, on va utiliser, alors c'était, scooter de mer, c'est vraiment quelque chose que j'utilisais il y a longtemps. Donc, par exemple, de la laine orange, et hop, on va lui faire ça comme ça, pouf, 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 ok, pour un premier jet, puis après comme ça, puis un comme ça, d'accord. On va utiliser des pierres lisses, des dalles de pierres lisses, ok, paf, hop. Paf, donc on va faire ça. Comment je vais faire ça? Comme ça. Hop, normalement c'est pas avec des blocs entiers, mais. Hop, ok. Puis après. Combien weight de ça? Deux blocs après. Deux blocs par derrière les blocs en orange. Deux blocs comme ça. Puis après on va utiliser. De la neige. Hop. Par-dessus pour faire un fauteuil qui. Hop. Va paraître plutôt plutôt confortable. On peut même faire dépasser un peu, voilà, plus comme ça. Et après maintenant il faut mettre le guidon, donc on va utiliser des leviers, hop, comme ça sur les côtés de notre scooter des mers, et comme ça nous fait
un guidon et ça nous fait un joli scooter des mers. Enfin, faut avoir de l'imagination, mais voilà, bon, techniquement, vous en mettez 3 ou 4 le long de la plage, ici, 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 et puis ça passera bien. Avant-dernière plage, parce que, alors oui, je vous ai pas montré sur le modèle tout à l'heure, mais... Donc ici, il va y avoir le bar, ici la discothèque, et ici, en fait, il va rien avoir, puisqu'il va s'agir d'un embarcadère. En réalité, j'avais mis un grand bateau, un paquebot, à côté ici, et en fait, ça servait, cette plage-là, à décharger les gens qu'il y avait dans le bateau. Donc, j'ai rien mis sur cette plage-là, mais voilà, on va faire ça dans l'ordre. Ici, donc, on avait des cocotiers sur le côté, et on va mettre... ah oui, alors j'ai oublié de faire ça, mais... Enfin, plus ou moins, j'y ai pas pensé. C'est rien au même, tu me diras. On va prendre des dalles de quartz lisses et on va faire des petites marches comme ça sur nos... sur nos entrées de la plage. Hein. Paf, 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 comme ça. Au niveau de chaque plage. Plage artificielle. Paf, vous voyez. On va faire l'autre aussi. Youp. Alors... Hop, et puis, voilà. Donc, le bar. Donc, on va utiliser des plaques de pression en bois, n'est-ce pas? Parce que le bar, il est quand même vachement swag, hein, on va pas se mentir. Et on va se faire un petit chemin, comme ça. Hop, tu vois qu'il va venir à peu près jusqu'ici. Voilà, hein, c'est de l'à peu près. Voilà, et puis on va faire, hop, avec des dalles, pas du tout, avec des blocs de bois de sapin comme ça, une forme qui va venir ici, genre paf paf, 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 comme ça, voyez-vous, on va doubler la largeur, hop, ok, une fois qu'on a ça, on va utiliser des barils du coup. Vous voyez, des grands barils comme ça, parce que ça fait vraiment... ça fait tonneau, ça fait barre, quoi. Vraiment, ça fait bien. Hop, donc oui, on peut faire ça comme ça. Oula, non, hop. Vous voyez, donc là, comme ça, ça donne déjà une petite ambiance sympatoche. On va rajouter des piliers en bois, hop, genre comme ça, pas trop comme l'âne, et oui voilà, alors là niveau blague, c'est une catastrophe, alors voilà, un peu de part et d'autre de ce bar en fait, vous voyez, on rajoute, allez on va mettre trois blocs de barrières en bois par dessus comme ça, et un quatrième ici parce que voilà. Et puis, hop, on va utiliser des dalles en blanc, des dalles blanches, donc quartz, quoi. Et on va venir faire, hop, un chapiteau. Alors, normalement, il faudrait utiliser des tapis, mais alors, tellement j'ai la flemme. Hop. Alors. Et on va faire, voilà, ça comme ça. On va faire venir jusqu'ici. Faut avoir une forme à peu près bien, quoi. Bon là ça ressemble à une vieille patate pourrie mais voilà qui ressemble à peu près à la forme du bar en question. Oui bon ça passe. Ça passe. On va faire hop you. Plus voir rien. Paf. Alors, une fois qu'on a notre petit chapiteau, c'est pas un chapiteau, c'est un bar. Donc, on va rajouter des cocktails avec des pots de fleurs. On va aussi utiliser. Ah tiens, j'ai pas vu un levier. Ah si, il est là dans mon machin. On va aussi utiliser des Psy Pickles comme ça pour faire croire à d'autres types de verres. Tu vois qu'on va disséminer un petit peu partout le long du bar.
ainsi que des pots de fleurs, parce que bon, ça c'est éternel. Une fois qu'on a ça à l'intérieur ici, on va pouvoir ajouter hop, des leviers, donc des je sais plus comment on appelle ça, vous savez, on appuie dessus, ça sort de la bière. Hop. Et puis voilà, déjà notre bar il est déjà un petit peu plus crédible. On va rajouter des bronzates. N'est-ce pas? Bronzates. Alors, avec des dalles de machin, de sapin. Hop. On va utiliser des dalles pour les mettre ici, là, sur le sol. Hop. Et puis, hop. Oui, hein, ici aussi, par exemple, vous voyez. Hop. Hop. Hop, comme ça. Et une fois qu'on... faut les mettre assez proche du bar, hein, quand même. Pas trop trop proche non plus, parce qu'il nous faut faire des sièges pour le bar qui vont avoir les pieds dans l'eau. Donc, il faut avoir au moins 3-4 blocs d'espace entre les bronzates ici et le bar. D'accord ? Autour du bar, à partir de là, par exemple, on va venir creuser dans le sol pour entourer les transats ici, sans pour autant toucher la mer. C'est ça qui va être bien. Hop, et après on va essayer de faire des formes un peu en arrondi comme ça avant de rejoindre la flotte, vous voyez. Donc une forme un peu comme ça, on essaie de faire un arrondi un peu joli ici, paf, 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 comme ça, ça va être plus joli peut-être. C'est plus joli comme ça. Hop, au niveau de l'entrée avec la mer on va faire... hop, comme ça, voyez-vous. Donc on va vraiment avoir une forme un peu comme ça. Donc ça, évidemment, on va le creuser. On va complètement creuser dedans. Hop, sans enlever, évidemment, les blocs en dessous des transats ici. On enlève tous les autres blocs. Même en dessous, d'ailleurs, du bar, on va enlever la sandstone qu'on a mis ici par... et on va la remplacer par du bois directement. Comme ça, ça sera plus, plus crédible. Hop. Hop. Hop, voilà, on débarrasse assez rapidement, vous voyez, hein, on enlève ça, paf, 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 paf. Ok, comme ça, voilà, ça fait vraiment plus propre. Youp, on enlève tout ça. Ok. Voilà, donc on a fait un trou, on est content. On va faire de l'eau. Hop, et on va utiliser aussi, tiens, d'ailleurs, tout de suite, des piliers en diorite, par exemple, et des... des escaliers, voilà, de la couleur que vous voulez. Hop. Voilà, on met de l'eau partout. N'est-il pas beau? Pour l'instant, ça commence à être bien. Alors, j'ai pas mis d'eau ici, tiens, par contre. On va essayer de faire une ouverture un peu plus classe, comme ça. Ok, donc il faut imaginer qu'il y a les palmiers par-dessus, hein, donc normalement, c'est un peu plus joli que ça encore. Donc on va rajouter les piliers dans l'eau, on va rajouter des piliers genre comme, alors ici là, vous voyez, donc il faut vraiment avoir un espace entre le pilier et le bar pour que le muret ne colle pas au bloc, ok, autour, hop, hop, en mettant comme ça, on va en mettre un autre ici, et on va rajouter les escaliers par-dessus, hop, 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 vous voyez. Et ça nous fait vraiment un bar avec les sièges, les pieds dans l'eau. Vraiment vacances, quoi. Quand on dit vacances, là, on est en plein dedans. Sur le côté, on va pouvoir rajouter des choses, notamment quelques lampadaires. Ok, on va utiliser beaucoup les lampadaires avec des lanternes. Donc là, 4, 5 blocs de hauteur pour notre petit lampadaire ici, comme ça. Donc... lanterne, lanterne, paf, 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 ok, vous voyez. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir utiliser ce même type de lampadaire, du coup, ici, là, et de l'autre côté, ici, sur le côté, entre l'arbre ici et la route, pour avoir, pour combler l'espace. On peut rajouter un ici aussi, si on veut, mais ça fait peut-être un peu too much. Ici, par contre, sur le côté, ce qui nous reste un petit peu de place, on peut rajouter soit des bancs, d'accord, donc voilà, soit des bronzates, classiques, mais ça marche toujours aussi bien, tu vois. Des bronzates comme ça, ici et là. Enfin, ici, il n'y a pas la place, mais on peut en mettre deux ici. Hop, voilà. Par exemple.
Ok. Donc, la dernière. Hop. La dernière plage. Paf. Pouf. Pif. Donc là, ce sont censés être les arbres. Hein. Voilà, les cocotiers, tout ça. Donc, ici, ça sera vraiment la discothèque. Comment on va faire la discothèque? On va ouvrir là aussi sur le... Non, d'ailleurs, on va pas ouvrir la flemme. On va faire un trou dans le sol en plein milieu. Donc, genre, on va commencer par là. De 5 blocs ici, comme ça. Donc, 2 blocs. 1, 2 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. 2 blocs ici, comme ça. 1 bloc. 2 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vous comprenez le principe. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 1, 2. Et normalement, ça se rejoint. Vous avez un cercle comme ça qui prend à peu près un quart de la place, un tiers de la place de la plage. Hop. Vous enlevez tout le... Hop. Le sol comme ça. Voilà. Donc, au niveau du sol, du deuxième sol ici comme ça, on va l'enlever aussi et on va mettre à la place, tu vois, un bloc rouge. Donc, je pensais plutôt, pas forcément sable rouge, même si c'est vrai que ça, maintenant que j'y pense, ça pourrait faire classe. On va plutôt utiliser de la terracotta. Hop, terracotta rouge, red terracotta. Qui en fait est un rouge un petit peu qui est moins vif que les autres rouges, je trouve, et que donc du coup lorsqu'on met de l'eau par dessus ça fait un petit violet pourpre assez sympathique. Voilà, donc allez, on remplace tout le sol par ça et hop, voilà à quoi ça ressemble au niveau du centre de notre machin là, comment ça s'appelle, dance floor, voilà, c'est un dance floor les pieds dans l'eau. On va pouvoir ajouter évidemment le sigle de l'hôtel. Là, moi, je mets un H pour hôtel. Si vous avez appelé votre hôtel genre le Creeper Bling Bling, par exemple, le nom de l'hôtel, bah, vous mettez un grand C pour Creeper ou alors CB pour Creeper Bling Bling. Voilà. On va utiliser du coup aussi les dalles de pierre lisse. Hop. Et on va venir les mettre sur le pourtour. Pouf, pouf, sauf ici, là. On va remettre juste une ici, et le reste, pouf, 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 pouf. Ok. Et genre pouf, 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 et pouf, 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 aussi ici. D'accord ? On va rajouter paf, 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 alors, paf, paf, aussi, paf, et paf. Ok, paf, 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 voilà. Comme ça, ça va nous donner... c'est joli. Donc, on utilise de l'eau et on en met partout. Hop, d'ailleurs sur les dalles aussi, hein, en évitant d'en mettre partout comme je suis en train de faire. Hop, enfin, en mettre n'importe où plus exactement. Parce que là, vous voyez, c'est pas ce qu'il faut. Alors... J'arrive pas... Voilà. Youp, pouf. Voilà, donc normalement vous avez quelque chose comme ça. On va rajouter des black wool, donc des laines noires. Ok, par-dessus les laines noires, on va aussi rajouter les têtes de squelettes noires. Alors j'avoue que j'ignore complètement comment on pourrait utiliser ou comment on pourrait obtenir ces choses-là en survival. Donc bah là j'avoue que je pourrais pas vous aider. Donc on va faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire deux blocs d'ailleurs de large. On va faire un carré en black wool en laine noire qui va être de 4 blocs de hauteur. D'accord ? Par-dessus ça, on va rajouter sur une des faces des têtes de squelettes et ça va nous donner l'illusion d'avoir des grosses enceintes. Pour cracher du son, on va en mettre 3 à des endroits stratégiques dans les coins, hop, de la discothèque en plein air, pouf 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 pouf, et genre ici à côté là, ok, pouf 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 pouf, et voilà. Alors maintenant on va rajouter les sièges, donc on va utiliser les escaliers en bois de sapin.
ainsi que des tapis bleus, ainsi que des barrières en bois, ainsi que des plaques de pression en bois, j'étais en train de réfléchir. Et on va faire des choses un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va venir mettre à côté des baffles, hein, par exemple, hop, des bancs qui vont se replier sur eux-mêmes, j'ai pas mis suffisamment large, qui vont faire 5 blocs de large, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs de large, pourquoi? Pour pouvoir mettre au milieu des machins comme ça, pour faire une table, ok, et avoir de l'espace autour pour mettre des tapis. Voilà. Et l'idée, c'est que l'on va avoir ce genre de fauteuil là, ce genre de petit canapé, un peu partout ici, tu vois, donc des choses un peu comme Mac. Alors, il aurait fallu faire là, parce que là, il n'y aura pas la place. 3, 4. Vous voyez, comme ça. Et puis, pareil, hein, table et tapis. Alors, 3, 4, 5. Hop. 2, 3, 4, 5. Voilà, etc, etc. Et donc ici, on va rajouter une petite plateforme pour le DJ. On peut rajouter une deuxième baffle ici, tiens d'ailleurs. Hop, enfin une quatrième du coup. Je suis pas sûr d'utiliser les bons termes. Hein. Hop. Voilà. Et entre les deux, on va mettre la petite plateforme. Donc, on va utiliser de la... du quartz ou de la terracotta. Non, pas de la terracotta. Du quartz, plutôt, j'ai envie. J'ai envie du quartz. Je trouve pas le quartz. Il a disparu, le quartz. Qu'est-ce qui s'est passé, cette histoire? Voilà. Hop. Donc, on va faire une petite table de... donc 4 par 3 par exemple. On va utiliser des escaliers en bois, genre comme ça, ou en quartz d'ailleurs. En quartz ou en bois? En quartz, c'est mieux en quartz. Hop, et on va utiliser, hop, les dalles en bois pour faire des trucs comme ça. Donc on va rajouter des dalles qui vont faire tout le tour de l'espèce de petite plateforme. Vous voyez, hop, qui vont se relier comme ça. Voilà. Et on va mettre à ce niveau-là, bah, des notes blocs. Hop, ou des, voilà, notes blocs, blocs de musique aussi. Qu'est-ce qui pourrait faire bien DJ? Hop, des pistons. Je sais pas si les pistons ça peut être bien. Dropper, parce qu'on peut mettre des choses dessus, des light detectors et trappe en fer pour faire un peu les platines, voyez-vous, genre ici, ah oui, alors donc, genre dropper pour mettre le disque, là-dessus on met une trappe en fer, à côté de ça, voilà, pouf, notre bloc, tu vois, et après... Hop, comment on pourrait faire ça? Admettons, on fait ça comme ça. Donc on peut mettre, voilà, des... Non, je veux faire ça comme ça, voilà. Et ainsi qu'une plaque de pression en fer aussi, parce que, boss, ça fait toujours l'ambiance. L'idée, c'est de reproduire des platines, hein, donc si jamais vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas. Forcément. Truc qu'on peut rajouter, c'est de la redstone qui nous permet de relier. Voilà, redstone qui va nous permettre de relier en fait les enceintes ici aux plateformes de DJ. À la limite, les autres, tu vois, elles sont trop loin, on va se dire, waouh, elles sont loin, elles sont en Bluetooth. Mais par contre, celles qui sont juste à côté, ça nous peut nous faire un petit peu plus. De détails en fait, en les reliant par redstone à la plateforme, parce que ça sert à rien, hein, techniquement, mais c'est ça fait un petit détail en plus qui est appréciable. Et évidemment, comme tu t'en doutes, on va utiliser
des enclumes, ainsi que des feuilles pour remplir l'espace qui reste avec des, de la végétation. Hop. Sachant qu'ici on est un petit peu biaisé dans le sens où il n'y a pas les cocotiers demi, hein, mais voilà. Ayez confiance, ouvrez vos chakras et vous y verrez que j'ai raison. Hop, donc on va rajouter voilà de ci de là des plantes comme ça et normalement vous avez une discothèque qui envoie du pâté. Hop, on peut rajouter un petit détail encore, c'est celui d'enlever les dalles, les blocs de sandstone en dessous, les dalles ici, tu vois, et les mettre tous en blocs de dalles de pierre lisse. Tu vois, et ça fait quelque chose d'un petit peu plus encore, encore plus sympathique. Youp. Si tant est que j'arrive à cliquer là où il faut. Attends, voilà, paf, 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 paf. Et voilà. Donc, c'était le tutoriel pour réaliser ce petit hôtel, du coup, sur Minecraft. Voilà, là je suis revenu sur le modèle d'origine. Voilà, pour vous montrer, hein, la dernière plage, je m'en suis servi comme débarcadère pour le paquebot que j'avais fait ici. Je ne ferai pas ce bateau-là en tuto parce que je l'ai déjà fait. Si vous voulez faire ce bateau-là, donc pour avoir le même bateau que moi, juste à côté du machin, vous pouvez le faire, hein, je l'ai fait en tutoriel sur une autre vidéo qui date il y a plusieurs années, hein, mais qui est, mais voilà, qui marche toujours. Je vous mettrai ça à côté. Vous voyez ce que ça donne avec les arbres du coup. Là j'ai mis un P mais sinon c'est pareil. Voilà. Eh ben ça m'a pris du temps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à mettre la cloche pour suivre les prochains tutoriels qui viendront sur la chaîne YouTube, sachant que je peux vous montrer d'abord d'ailleurs quel sera le prochain tuto Warp. Hop, je peux vous montrer ça. Hop, donc si vous vous rappelez bien, cette maison là que vous voyez présentement a déjà été fait en tutoriel sur la chaîne la semaine dernière. Du coup n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Vous voyez une maison complètement full pété de luxe, style américain de dingue, avec trois piscines dont une naturelle, avec un salon dans la piscine, creusé dans la piscine pour dire, enfin c'est pas creusé, mais bref, avec la double cheminée et tout, tu vois. Hop, et la prochaine fois, la semaine prochaine, on aura affaire à une villa en forme de courbe sur son plot, tu vois, avec sa rue privée à l'intérieur du plot, avec sa piscine en arrondi, en arc de cercle derrière, avec jacuzzi, mesdames et messieurs, même la maison d'à côté, elle a même pas de jacuzzi, pour te dire à quel point c'est luxe. Hop, avec la petite entrée, tu vois, toute courbée et tout. Eh ouais! Le rond-point en aquarium, parce qu'on est complètement fou. Voilà. Non, moi je dis, je suis là pour... voilà, exactement. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.